Bonjour à tous, bonsoir plutôt, et bienvenue dans cette émission qui n'a absolument pas de nom, hein, puisqu'il s'agit d'une watch party, qui s'est faite à l'arrache autour du film Sans un bruit. Au départ, on était avec l'amie Léna. Bonsoir Léna, comment vas-tu? Bonsoir Monsieur Jules, bah écoute, ça va très bien. Ça se passe Voilà, bien? cette intro est géniale. Je ne sais pas pourquoi on se fait chier à faire des génériques, parce que franchement, un décompte, ça passe tout seul. Mais alors, expliquons la situation. Voilà, on avait prévu quelque chose ce soir. Finalement, le combat Baki Doumbé est venu mettre voilà, du sel là-dessus. Et autant vous dire qu'à mon avis, ça va taper sec et salé ce soir. Mais du coup, ça a décalé des trucs qu'on avait prévus de notre côté. Et donc, on se retrouvait ce soir, tous les deux, Léna, et on était parti au départ pour jouer. Finalement, je t'ai proposé un film que tu n'avais pas vu, dont on a parlé plusieurs fois, et moi j'adore ce film, puisqu'il s'agit donc de Sans un bruit. On est d'accord que tu ne l'as pas vu? Non? On est d'accord. Quelqu'un d'autre qui l'a vu, lui, Oui. mais qui n'a pas un souvenir topi top. Ah non, j'ai pas dit que non, c'est que j'en gardais pas. Je garde plus de souvenirs du 2 que j'ai vu récemment, mais je me rappelle quand même du premier, du concept. C'est sa mémoire défaillante, ça n'a rien à voir en fait C'est avec la l'âge, vie ou pas. tout à fait. Évidemment. Non, mais je me rappelle des courses de voitures, de Paul Walker, tout ça. Non, je comprends bien. Mais oui, parce que ça, Parce c'est que, pareil. voilà. On sauve du visionnage de Fast and Furious 7 l'ami Deviant, l'ami Sofiane, Mais comment vas-tu? oui, j'en suis au 7 normalement. Et du coup, ben, Vin Diesel va devoir m'attendre. Donc, pardon, Vin. C'est-à-dire Et que puis voilà. sachez-le, hein, vous lui proposez un truc, même s'il avait quelque chose de prévu en ce qui concerne Fast and Furious, il saute dessus. Hein. Oh bah oui, je te dis, moi c'est bien, du coup je viens les pieds sous la table, j'ai rien à faire, juste à regarder. En plus, c'est un film que j'ai pas vu. C'est l'occasion. Effectivement, il y a de nouveau, il y a le préquel qui arrive. Mais ouais. Du coup, ben voilà, c'est l'occasion de découvrir. Et je suis bien, vraiment bien content de vous faire découvrir ce film-là. Au départ, du coup, c'était Attends de voir ce qu'on va en dire. que pour Léna. Mais franchement, alors attention, hein, et tu le sais, hein, je veux dire, si t'aimes pas ou si t'as des trucs hard à dire, n'hésite pas, au contraire, parce que c'est toujours. Oh, jamais. Non, mais c'est la discussion qui prime. Si Mais tu veux regarder Fast and Furious 9 pendant le film, tu peux. j'en parle d'expérience parce que j'ai déjà eu affaire à des gens qui me faisaient découvrir une œuvre qu'ils adoraient de dingo. Et du coup, je pesais mes mots pour leur dire à quel point moi je Non, n'aimais non, non. C'est pas grave. pas. Nous, on est genre pareil, il n'y a pas de problème. Nous, on dit C'est sans pardon. filtre. Mais du coup, Aucune non. empathie, Mais blague à part, quel que soit ton avis, j'ai vraiment hâte de la voir. Parce que, ben ouais, vraiment, moi, c'est un film que j'affectionne tout particulièrement. Et monsieur Jaron, il paraît que c'est la même chose pour vous. de moi je Ben, l'ai vu moi tu aimes? je l'ai vu ah moi j'adore cette saga vraiment Là, vraiment, tu vois, Tu mets c'est pas pas. confiance pour le coup. Ah non, mais attends, moi, Le c'est désert pas. gloré. Ben, ah putain, j'allais dire, Ouais, mais c'est pas un gage de confiance c'est non ça, plus. de Tout à qualité. C'est-à-dire que moi, ça me faisait vraiment peur de lui poser cette question. Est-ce que tu les as en Blu-ray? Vraiment. J'ai des Mon bons truc. films aussi en Blu-ray, ça m'arrive. Mais Tu vois. du coup, on va se regarder ça donc en watch party. Évidemment qu'on va pas, je l'ai écrit hein, dans la manière ci-dessous, évidemment qu'on va pas diffuser le film, hein, on n'est pas débile. On va diffuser le rugby pendant ce temps, par contre, pour ceux qui veulent. C'est ça. On va vous faire de l'audio description, vous inquiétez pas. Et et du coup, j'en profite aussi pour vous demander la permission, mais j'espère que non, enfin que ça pose pas de problème. Tu peux déshabiller, pas de soucis. Du coup, évidemment qu'on va pas diffuser la watch party sur la chaîne, mais on le fera. Encore une fois, c'était vraiment pas prévu qu'on fasse ça. Après, on pouvait pas le faire dans les rattrapages de l'ENA parce que bah, le truc est pas assez vieux, pas assez culte non plus. Je me suis fait kidnapper. C'est quand même un rattrapage. Ouais, mais peut-être qu'il le deviendra culte pour le coup, mais là, en gros, c'est pas le cas. Donc, on pouvait pas Alors, le mettre dans attends. les rattrapages. Pour Et savoir donc. s'il peut devenir culte, Jarod, sur ton étagère, il est entre quoi et quoi? Parce que s'il est entre The Marvels et Madame Web, tu vois, la place réservée à Madame Non, Web. il est loin des films comics, MCU, tout ça. Non, il est dans les films d'horreur. Il est collé avec les films d'horreur. Et alors, ça aussi, on y reviendra. Mais du coup, je me permettrai de mettre le débrief d'après-film sur la chaîne comme un ciné des manches un peu Putain, à mais lui, l'arrache. il se fait du bise sur C'est notre ça. dos, tranquille, quoi. Non, Il a mais les fait gars, du j'ai bise. aussi fait des t-shirts Non, et... d'ailleurs. ouais. Alors, pas du Ouais. tout. Je trouve juste ça cool, en fait, de le garder, de le mettre quelque part. Et ça m'aurait emmerdé juste de le diffuser et pas avoir votre avis. Surtout qu'il y a... si on l'avait tous vu, bon. Mais là, dans la mesure où il y en a qui l'ont jamais vu, j'aime vraiment bien voilà, le mettre sur la chaîne. Ouais, t'exploites nos réactions.
C'est voilà. Et puis. Bon, les gars, c'est à l'arrache, mais la YouTube Money, c'est pour moi. C'est ça. Le fait effectivement, j'ai proposé à des gens de. Par exemple, qui n'ont pas voulu. À Néo. Je ne vois pas pourquoi je dis des gens. J'ai proposé à Néo. Alors, qui avait autre chose à faire, ça, c'est une chose, mais qui me disait aussi qu'il n'aimait pas les films d'horreur. Et du coup, ça ne lui disait pas trop. Et ce que je peux tout à fait comprendre. Mais par contre, je lui disais aussi, et pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est, je ne trouve pas que ce soit un film d'horreur. Ça fait longtemps que j'ai arrêté. J'ai commencé très jeune les films d'horreur, beaucoup trop jeune. Ne faites pas comme moi. J'avais 4 ans. Clairement. Non, mais t'es pas loin. Hein. C'est, ouais. Je sais que c'était avant de savoir lire et écrire, parce que je me réveillais la nuit quand mes parents allaient mon père est un fan de films d'horreur. Et quand mon père allait se coucher, j'attendais qu'il aille dormir. Et je retournais au salon et je me mettais les VHS de films d'horreur. Donc, c'est beaucoup trop jeune. Et j'ai arrêté. Il y a pas mal d'années, du coup. Je crois que l'époque où j'ai arrêté, c'était vers les The Descent, les films comme ça. Ouais. Mais déjà, ça me dérange pas d'en voir. Ton Watch Party, ça peut être marrant. Et puis, ouais, c'est pas un film que je considère vraiment comme film d'horreur. Non, c'est pas un film d'horreur. C'est SF, plus... thriller. Tu vois, c'est un peu. Ouais. Je le classerai un peu comme. Comment ça s'appelle film de genre. C'est un film de genre. Ouais, tu sais, avec Chris Pratt, le Tomorrow War. Non, ça, c'est une daube. Oh. Ça se classe dans les daubes. Alors, qualité. C'est, non, parce que pour le coup, Tomorrow War, on est beaucoup plus action. Oui. Tomorrow War, tu le classes un petit peu SF à la Independence Day, quoi. Oui, film d'invasion, ouais. Quoi, les invasions de Los Angeles, c'est compagnie. Ça. C'est ça. Là, alors c'est que plus... film d'horreur, t'as Venom 2, t'as Morbius, tu vois, t'as d'autres trucs. Madame non, mais là, c'est plus film de genre. Ouais, anticipation, film de genre. Et puis, moi, je sais pas pour ceux qui l'ont vu, hein, mais. Quand je crois pas l'avoir vu au cinéma, je sais plus dans quelles conditions je l'ai vu. Mais ce qui est sûr, c'est que je m'attendais absolument pas à ça, en fait. Je m'attendais pas à aussi bien aimer, je m'attendais pas à ce que les effets soient super bien faits. Je m'attendais vraiment pas à ce scénar-là, à cette histoire de famille qu'on va découvrir ensemble. Et puis, il y a une famille en plus bien spéciale et qui marche top avec l'histoire. Et vraiment, moi, j'avais pris une claque à laquelle je m'attendais pas. J'en avais jamais entendu parler. L'esprit famille, d'où le lien avec ce que devait regarder Sofiane ce soir, à savoir Fast and Furious. Complètement. C'est ça. Complètement. La famille. Mais du coup, voilà. Alors, j'ai préparé. Après, Toretto, ils auraient défoncé la gueule des extraterrestres en 3 secondes. On va pas se mentir. Il y a des extraterrestres. Je te rappelle que dans le 9, ils vont dans l'espace. Hein. En Ford Sierra. Donc. Bah, ils vont envahir une autre planète. Bah, c'est eux les extraterrestres en fait. C'est ça, c'est les Toretto. Je veux dire, c'est Toretto, c'est la famille en fait qui invasionne, mais bien sûr, et qui envahit une autre planète. Déjà, avant de continuer, et je suis du coup tout à fait d'accord avec ce que dit Yaya Culture en disant que effectivement c'est plus un thriller SF, je suis un peu d'accord avec ça. Ce film, je l'avais vu en date qui s'était barré parce en date. En date, oh la vache, excuse-moi, j'ai eu trop peur du film. D'accord, ça se voit à quel point je suis pas du tout jeune. Oui, tu peux le dire. Et évidemment, bonjour au chat et merci d'être avec nous pour suivre ce film. Il y a un compteur, comme d'habitude. Wally, il est en train de se chier dessus. Qu'on soit clair, Wally, là, il doit avoir sa couette, son petit ourson de peluche, un taser, une gamine. J'adore. Moi, sans être méchant, c'est écrit épouvante horreur. Hein. Non, mais il plaisante pas, c'est ça le truc, c'est qu'il est vraiment en train d'en chier. Là. Vraiment, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve pas. Moi j'espère qu'il n'y a pas des jumpscares parce que je peux être très expressif et je vais peut-être pousser des petits cris. Si, c'est pour ça qu'on est là. Il y en a un peu, ouais, mais c'est un peu le principe du film. C'est un peu le principe du film. D'ailleurs, est-ce que tu peux laisser Léna en plein écran pendant la watch party du coup ? Non. Nous, tu nous gardes que l'audio. Non, mais j'aurais pu la mettre en plus grand, effectivement. Non, mais c'est bon. Sofiane non plus, il n'a pas vu. Hein. Oui, mais bon, oui, le jumpscare, voilà. Lui, il s'en fiche. Il est habitué avec Fast and Furious au jumpscare. Donc ça va, je me suis remis au jeu d'horreur en plus sur la chaîne Twitch, donc je me réhabitue. Oui, j'ai vu ça. Non mais arrête. Là, je me fais engueuler et j'ai pas envie de me faire engueuler par Léna. Je viendrai pas dans tes émissions bizarres. Et du coup, juste pour terminer, on le disait en off, mais c'est Krasinski, le mec qui du coup joue dans The Office. The Office, mais l'autre du coup sur Prime.
Jack Ryan, ouais. Qui est aussi Mister Fantastique. Et Mister Fantastique, effectivement. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec. Et ce nom, première... Mister Fantastique. C'est ça, première réelle, du coup. Effectivement. Avec sa femme. Nous y allons. Avec sa femme, effectivement. Emily Blunt. Emily Blunt, que moi j'aime beaucoup en tant qu'actrice, pour le coup. J'aime beaucoup le scénario. Qui a presque réussi à faire croire que Dwayne Johnson jouait pas trop mal dans le truc dans la jungle. Ouais, c'est vrai, dans Bienvenue dans la jungle, ouais. J'allais dire dans Jumanji. Non, j'allais dire dans Rampage, moi, mais on n'a pas les mêmes. pas les mêmes de Dwayne Johnson, du coup. C'est pas du tout elle qui jouait Gorille dans Rampage. Ah merde, mais alors attendez, comment je vais mettre les deux en même temps? Ça va être chaud, ça. Comment tu sur espace, c'est l'autre avec le clic. Tu enchaînes, vite comme ça. Putain la vache. Bon, vous êtes prêts, on y va? Attends, je suis pas prête. Attends, alors, je vais d'abord mettre lecture au film, moi. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, un. Ouais. Deux. Attends, mais c'est dans quel ordre? Quoi, c'est dans quel ordre? On démarre à trois. Non, mais ouais, on démarre à trois. Un, deux, trois. D'accord? Ah, bah, c'était pas bon, là? Mais non, c'était un test. Ah, merde. Ah, putain. Oh, merde, attends, j'ai démarré. On reprend. Et après, on critique mes chronos, franchement. Bon, allez, vous êtes prêts? Comme quoi, il y a toujours pire. Ouais. Attends, Wally est pas prêt. On n'y va pas. Non, pas qu'il est pas prêt, c'est qu'il veut pas. Vous cliquez à 3. Hein. Donc, attends, c'est un test, on se calme. Donc, quoi, c'est un test? 2, 3. Et sur le 3, on clique. D'accord? Donc, c'est à quoi ça ressemble en 3? Oh la vache. Non, on clique sur lecture. Oui, bah oui. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Oh là là, ça y est, c'est bon. Ça me fait déjà peur, les étoiles. Mais je crois que c'est pareil. Mais c'est Dune. C'est pas la nana qui joue à chaque fois. C'est pas la nana qui joue dans Black Panther qui joue dans le prochain. Si, si. Ouais. Lupita Nyong'o. Ouais. Je me souvenais plus de son nom. Si, oui. Si, si, ouais. Qui va aussi faire une voix dans le prochain film d'animation de DreamWorks, qui a l'air magnifique. Ok. 9e jour. 89. 89e jour. Ça, c'est pas très sécurité routière. Bon, bah là, tu peux rouler à l'aise sans percuter qui que ce soit. Un peu beaucoup de feuilles sur la route. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'animation. C'était ça. Dans le premier, l'idée, c'est qu'on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ouais, on commence directement au jour 89, en fait. Ah, d'accord, j'avais pas remarqué. Ce qui va être très joli. Non, mais parce que tu pourrais dire qu'on va refaire un flashback, mais il n'y a pas de flashback dans celui-là. Non, je sais, le flashback, c'est le prochain film, c'est le préquel. Bah, arrêtez de nous spoiler, là, c'est bon. Non, mais c'est bien que tu précises, Jarod, pour les gens d'Amiens qui pensent voir l'intérieur de leur ville. Mais t'as remarqué la première critique, il y a un peu trop de feuilles. Non, déjà dans le 2, Sofiane, il montre déjà le jour 1. Je découvrirai tout ça quand je le verrai. T'inquiète. Ah voilà, déjà un enfant, ça me fait flipper, j'aime pas ça. Qui c'est qui sent que Sofiane va être loup? Oui. Ça se peut. C'est vrai qu'il y a une façon de courir qui fait peur. Ouais, les enfants, ça marche toujours. C'est pour ça qu'on met toujours un tricycle dans les films d'horreur ou des rires d'enfants ou des trucs. Actrice qu'on a pu voir dans Bumblebee. C'est tout. Ah ouais ? C'est tout ce qu'elle a fait. La blanche ? Elle jouait John Cena. Voilà, la fille. T'as de ses rêves, Jarod. Il a mal digéré un truc. Lui, on l'a vu dans Le Mans 66, tu vois, le jeune. Oui. Le pot de médicaments, on l'a vu dans House. Oui, exact. C'est vrai. Heureusement que c'est pas nous dans le film, parce qu'on ferait trop de bruit. Mais tu vois qu'elle, elle fait bien attention à poser ses trucs et tout. Ah mais moi, c'est l'apocalypse. Je pars pas avec Sofiane. Hein. Il croise un mec, il lui fait un bilan des dernières news. C'est pas possible. Bah, moi, je pars pas avec toi, vu que t'as prévu de bouffer des gens, tu vois. Oui, c'est ça. On saura pas ce qu'on mange avec toi, je te le rappelle. Moi, je suis devenu pote avec l'extraterrestre, on ferait des fondus le dimanche. Hein.
Un défendu de quoi, ça? Faut s'intéresser aux autres cultures, faut être curieux. On sera pas trop emmerdé par le copyright, hein, au niveau du son. Ouais. C'est que... J'aimerais que Sofiane, tu sais, démonte le truc. Genre, alors non, moi, quand j'étais en primaire, j'ai appris la langue des signes, tout ce qu'ils disent, c'est de la merde. Tu vois, tout le film est balayé, tu sais, de... Vraiment. Je veux pas, c'est la langue des signes américaine. De toute façon, c'est forcément, c'est pas la même que la nôtre. Bah oui. C'est pas la même langue des signes, du coup? Du tout? Non, non, d'un pays à l'autre, ça change. Ah, je voulais être mon con, quand même. Je pensais que c'était universel, moi. Moi, je pensais que c'était universel. Universel. Ah non, ouais, pas du tout. Pareil, je pensais que c'était universel aussi. J'avais une copine, d'ailleurs, qui était en fac, un truc de langue des signes, justement, en Espagne. Elle voulait venir en France, mais justement, elle ne pouvait pas à cause de ça. Il fallait repartir à zéro, quoi. Après, le petit signe qu'on fait en voiture, il est universel, tu vois, on est d'accord. Non, non plus. Le geste commercial, celui. Oui, c'est ça. Moi, j'imagine deux personnes qui, du coup, se disent « Ah, mais trop bien! Moi, je sais faire la langue des signes qui commence à parler. » Putain, mais non. Non, le seul projet de langue universelle, comme ça, c'est l'espéranto. Ok. Ça va tomber, ça, c'est sûr. Hein. T'es un peu con-con, gamin. Hein. Faites des gosses. Là, la personne derrière est en train de se dire qu'elle va les abandonner. Pas possible. Ils sont trop cons. Tu me casses ou je me casse? Non, j'ai essayé. Hein, mais... Attends, tu peux même pas le gifler parce que ça ferait du bruit. Il y a vraiment zéro bruit, c'est pas possible, il y a des petits frottements quand même. Non, il doit faire le moins de bruit possible. Ils vont expliquer tout ça, t'inquiète pas. Tu me demandes si j'ai pas coupé le son du film, c'est tout. Non, ils vont expliquer, mais en langage des signes, Léna. Donc il faudra que tu sois bien attentif. Mais de quel pays? Le Pérou. Mozambique. Ça va faire tout noir. Il fait vraiment film d'horreur, le gamin, c'est ouf. Ouais, on n'a pas vu son visage, si? C'est Damien la malédiction. On enlève les piles, on enlève les piles. Il a pas une tête à comprendre ce qu'on lui dit. En même temps, je sais pas, il doit avoir 3-4 ans. Oh, je connais pas le modèle exact, moi, après. Je connais pas la race, hein. Mais est-ce qu'il est encore sous garantie? Je sais qu'avec mes mômes, je suis mort. Hein. C'est fini. Hein. Jamais de la vie, ils tiennent ça comme ça. J'en ai pas parlé. Enfin, c'est sûr. Les miens, c'est des pipelettes. Ils peuvent pas ne pas parler. Putain, mais c'est ça, imagine faire une flatulence et ça y est, quoi, c'est vrai. Faire super gaffe à tout ce que tu bouffes aussi, du coup. Faut faire gaffe aux vocaux de Jules aussi. Bah, déjà, tu peux plus bouffer de chips, hein. Non. C'est impossible. Les notifs. Après, bon. Je pense que c'est assez light au niveau de la télécom. Hein. Oh, ça, bon, ça va, j'ai enlevé toutes les notifs. Mais rien que tu vas ouvrir un pot de sauce tomate, tu vois, ça va faire le petit pop. Il y a des trucs que tu peux pas manger. C'est ma politique, pas de notif, pas de message. Et lui, il est tout enlevé. Allez, il est con, lui. Pour le coup, tu vois, avec cette phrase, Sofiane t'explique tellement de choses. Il n'y a plus de notif, plus de message, moi. C'est vrai, le pire, j'ai aucune notif sur aucun appareil, j'ai tout enlevé. Non, mais tu vois, ça, je trouvais ça vraiment pas con, le sable.
Ils ont dû se faire chier pour le mettre quand même. Et puis un coup de vent, quoi. C'est chaud. Ouais, et un peu de pluie, c'est fini. Putain, à la crèche, ils comprennent le langage des signes, Wally. C'est ouf. Ah ouais? Bah, je sais que, enfin, peut-être pas le langage des signes, mais en tout cas, je sais que l'anglais, maintenant, à la maternelle, ils l'apprennent, quoi. C'est quand même ouf. Bah, puis enfin, c'est bien, hein, parce que moi, j'aurais bien voulu. C'est même à ces si, âges-là que t'assimiles le plus, quoi. Bah, c'est ça. Ils vont mieux parler anglais que moi, c'est con. Hein. Ok, je mise 100 balles, ce gamin, il va crever. Lequel? Ah, le gamin en bonnet, il va crever. C'est les deux, ils ont un bonnet. Le petit con. Le... Ah, celui qui a volé la navette? Ouais. Il l'a pas volé, il s'est servi. Mettez le son à fond. Pourquoi? Parce qu'elle met le son à fond. Ouais, il a un bonnet. Il a un bonnet, il a le bonnet du mec qui va crever. Mixage sonore, ça a dû pas coûter trop cher. Oh putain. Mais qu'il est con. Bien joué, Cantor. Tu as tué ton frère. J'ai bien aimé son petit. Oh. Excusez-moi, voilà. C'est le sous-titre Un coin tranquille. Ah, ah ouais, non, mais c'est la version québécoise, Léna. C'est quoi ? Comment ça se passe ? Je me suis dit que de toute façon, comme il parlait pas, on s'en fout. C'est rien, Wally. Si tu fais pas de bruit, ils te repéreront pas. Ça parle un peu. Par contre, si tu commences à respirer. Ah oui, là, point. Ah bah tiens, il est mort, le gamin. Après, ça, tu sais pas. Bah. Ou alors, il lui organise une fête d'anniversaire, c'est possible aussi. On n'est pas dans Fast and Furious. Hein. Les gens meurent. Bon, ça viendra. Il reviendra peut-être avec des pouvoirs, on sait pas. Et elle a pas de bol, elle s'est réveillée dans Signs de Shyamalan. Ou de Champ de Maïs. Et ça, est-ce que c'est culte? Ah, pour moi, oui. Signe. Ouais, oui. Pour, ouais, pour le non-jeu de, ouais, pour bah le parce qu'il n'est pas dans la liste. Hein. Pour le non-jeu de Joaquin Phoenix, il est culte. Il y a Joaquin Phoenix, non? Ouais, ah, oui. Ah oui. Et il joue comme... Il joue pas. Ah, oh, c'est son personnage qui est un peu comme ça. Oui. Bah, tous les personnages sont un peu comme ça, parce que même Mel Gibson, il n'est pas hyper... Bah oui, mais c'est que des gens qui sont fermés sur eux-mêmes depuis ce qu'on sait, quoi. Ouais. Après, l'avantage, c'est que comme ils en avaient trois, un de moins, il en reste deux. Et puis, une bouge moins à nourrir aussi. C'est... Mais c'est horrible ce que vous dites. C'est parce qu'on n'a pas de gosse qu'on peut se permettre de dire ça. C'est pratique un peu aussi. Quoi. Bah, t'imagines, t'en as un de moins, tu sors beaucoup moins envie de faire les courses. Donc en soi, le sous-titre québécois, ça marche mieux, Un coin tranquille, tu vois. Je pense que maintenant, dans les rattrapages, on va donner aussi les titres québécois des films. C'est ça. C'est là que je vois que je suis vraiment un gros con. C'est que moi, direct, je commence à me poser des questions. Genre, comment ils produisent l'énergie? S'ils ont un générateur, ça fait du bruit. Comment ça se passe? Ils ont des panneaux solaires? Possible.
Alors que les lois de la gravité, tu te poses pas les questions quand tu fais la saga que tu es en train de faire actuellement. Ouais. Non, parce que ça, je veux que ce soit n'importe quoi. On voit où le mec place son niveau de pinaillerie quand même. Hein. Tu peux pas engueuler tes enfants. Ouais. Et pour le fun, il klaxonne. Mais rien que pour ça aussi, je serais mort. Depuis longtemps. Oh non, Yaya. Bah oui. C'est obligé, tu fais une gaffe. Par contre, au niveau de la mode, bon. Ah bah, tu prends ce qu'il y a, quoi. Ouais. Il n'y a que 89 jours. Hein. Alors déjà, perso, je me serais plutôt installé dans une grotte, en fait. Ou tu sais, j'aurais trouvé un vieux bunker ou un truc comme ça. Bah, c'est pour ça que tu vois qu'ils vivent plus à la cave. Ils sont sous la grange. Mmh. Bah oui, quelle bonne idée, ça. Oui, c'est la meilleure idée qu'ils ont eue. Ouais. Je pense pas qu'ils l'avaient prévu. Hein. Ouais, à un moment donné... C'est clair que... Comment tu gères un truc pareil, quoi. Willy, tu cherches juste une excuse pour te promener à poil, en fait. Hein. C'est clair. Et là, il se met à jouer de la percu. Merde, on avait encore oublié. Je le sais pourtant, hein, mais je suis fan de batterie. Je mourrais pour un bon beat. Après, peut-être que la sœur, elle a fait exprès hein, de faire buter son frère. Hein. Tu sais, tu découvres ça, en fait, qu'elle est machiavélique et que c'est elle qui a tout prévu, quoi. Et là, le frère de Léna, il se pose des questions. Il dit, putain, on va pas te donner ou quoi. Non, et puis, ça se trouve, pour endormir le bébé. Ça se trouve, la sœur, elle dit, oui, de toute manière, il y en a un autre en route. C'est pas grave. Non, on dit rien, tu comprendras. Oui, oui, non. Ah, je pense que c'est un système pour endormir le bébé direct pour pas qu'il pleure. Non, non. Mais tu peux pas accoucher sans un bruit. Ou alors c'est du CO2, il veut juste le buter direct. Non, là tu dois accoucher sans un bruit. Oui, mais du coup, sans un bruit. Ouais, mais c'est le film. Regarde le film. Je me tais. Je m'immole par le feu. Je vais répondre à cette question. Ça fait du bruit, les flammes. Hein. Ça va être expliqué, t'inquiète. D'accord, d'accord. Non, mais si tu veux, elle n'est pas attentive, elle critique tout, et puis après, elle te dira, oui, moi, j'ai pas aimé Dune, j'ai pas compris pourquoi ça se passe dans le sable. Alors que moi, j'attends la faiblesse. J'attends le point faible. Merci Wally. J'ai cru que c'était le truc du bébé. Je me suis dit quoi? Ah bah on l'a fumé. Qu'est-ce que c'est que ce délire? 20 kg, je peux te dire qu'il va pas en faire du boucan de gamin. Si tu as fait tuer ton frère, tu vas ranger ta chambre. Bon. Elle a pas l'air très triste, hein. Moi je pense qu'elle l'a fait exprès. Ah, ça fait 400 jours, ça fait plus de 400 jours qu'elle est mort. Oui, et puis il y en a un autre. Bah oui, t'as pas vu, bah jour oui. 400 et quelques. Où c'est que c'était marqué ça? Non mais. Bah, y a eu une petit encart noir, ouais. Ah ouais. Pour répondre à Wally qui dit du coup, ils ont dû faire du. Tu devais être en train de critiquer quelque chose, c'est pour ça, t'as pas regardé. Quand ils ont fait le bébé. Ah non, c'est-à-dire que pour le coup, tu le prévois, donc tu te mets dans un espace confiné, insonorisé. Ouais, et puis pour 10 secondes, est-ce que tu as vraiment le temps de faire du bruit? Et qu'est-ce que tu fais des 5 secondes qui restent? Je pense que l'humain
c'est vraiment le premier truc auquel ils ont pensé, tu vois. Il faut vraiment qu'on ait une pièce insonorisée, par contre. Hein. C'est pas possible. Faut pas déconner, quoi. Du coup, tu peux pas utiliser un moulin à sel non plus. Qui utilise un moulin à sel? Mais tu vois, c'est pour ça qu'ils prennent pas d'assiettes, qu'ils sont pas de couverts. Enfin, je trouve quand même qu'il y a des trucs pensés. Ça évite de taper sur la table en disant on a faim, on a faim. Kitty, moi j'aurais cherché une fusée. Moi, une formule. Hein. De toute façon, je suis sûr que sous le tableau de bord, t'as un mode d'emploi de toute manière. Donc effectivement. Hein. Moi, formule 1, je rentre même pas dedans, je pense. Donc, T'es en train de nous dire que Pesquet, c'est juste parce qu'il a lu le mode d'emploi de la fusée, Sofiane? Bien sûr. Oh bah laisse-moi, moi je peux pas jouer au Monopoly, je gueule forcément. Vas-y, va crever avec ton hôtel. Bah ouais, machin, il est mort parce que... Ah ouais, mais il a joué au Monopoly. Attends. Ah mais il est débile. Quoi, t'aurais laissé tout brûler? Non mais il est débile, les gamins. Et là, il est en train de dire, chérie, cela aussi, il faut qu'on s'en sépare. Oh, à quelle distance ils entendent les trucs. Bon, après, quand justement il n'y a pas un bruit, t'entends plein de trucs. Hein. Et en fait, c'est vraiment ça, l'extraterrestre. Il bute tout le monde. quel con, ce Rocket. C'est bon, il n'y a pas d'humain. On peut y aller maintenant. Non, mais on se dit comme ça. Je viens de regarder, Léna, elle joue pas le jeu, elle se cache pendant les jumpscares. C'est pas vrai, mais je l'ai senti arriver. Mais là, tu peux te dire, t'as vu le boucan qu'ils ont fait, les deux machins, là. Et pourtant, c'est pas faux. Le deux ratons laveurs, tu vois. Ah. Et ben voilà, au lieu de critiquer. Ah, il fera moins de bruit celui-là. C'est horrible. Pauvre raton laveur. Léna, t'es toute blanche, ça va? Mais oui, ça va. De temps en temps, tu vas l'avoir sur le côté à vomir. Tout va bien. Du coup, j'ai bien un système de bip bip dessus. Si tu m'emmerdes, je te fais bouffer. Tu sais, t'en veux pas, il est avec la télécommande. Ah, ah, ah. C'est un peu comme Amanda Waller, quoi. Ah, exactement. Ah, c'est le chat.
Ah oui, c'est mon chat qui fait ses griffes. J'allais dire, qui fait tout ce bruit, elle va nous faire tuer. Non, non. Ah bah ouais, non, mais un chat et des arbres à chat, oui, c'est mort. Ah bah D1, je le bute. Hein. Je le bouffe, même. Mon chat, il bouffe, oui. Pareil, hein, il ferait pas plus de bruit en se rasant. Oh. Bah, si, avec un rasoir électrique. Putain, mais la situation de merde quand même. Non mais je trouvais le concept intéressant parce que aussi tu peux pas être trop emmerdé par l'extérieur en fait. Bah, dans le sens où je veux dire dans Walking Dead, l'homme est un loup pour l'homme. Là, c'est un peu compliqué que ce soit le cas, quoi. Oui, oui, tu peux pas agresser, tu peux pas. Oui, oui. Et du coup, tu as le temps de fortifier, de faire des trucs, tu vois. Et je trouve ça intéressant, quoi. Bah après, tu peux pas trop construire des palissades au marteau, tu vois. Non. Avec un marteau en mousse. Tu prends plein de petits Lego puis tu te fais un mur. Et un jour quelqu'un marche dessus et c'est foutu. Voilà, bah, c'est le bon piège en fait. Bah non, Wally, c'est dans les écouteurs donc ils l'entendent pas. Et puis on peut mettre assez bas quand même pour. Ouais. Puis ça va, c'est pas une compile de Joule non plus, quoi. C'est pas ACDC, quoi. C'est ça. Parce que c'est. Oui, ACDC volume 2, c'est chaud. Ça s'écoute forcément fort, quoi. Tu vois, ah, là, 473, Léna. C'était quoi avant? 482, non, 462, je crois. Ouais, un truc comme ça, ouais. Mais c'est vrai que tu vois comment ils ont planté les poteaux. Ils étaient déjà là avant. Vous me faites vraiment chier, je vais me rendre compte de plein de trucs avec vous, quoi, c'est horrible. Ils étaient là avant, la ferme n'a pas été construite. Bah d'accord, mais il n'y avait pas de guirlandes comme ça. Non, les guirlandes, ils ont accroché. Mais là, c'est des poteaux à linge. Jules, t'es en train de devenir chiant là. Merci. Jules, on dirait Sofiane. Alors calme-toi. Comment est-ce que c'est le 23 la date prévue? Alors il faut qu'on t'explique comment ça marche. En fait, mon enfant c'est 9 mois et du coup, après les dates de tes dernières. Non, mais c'est vrai qu'il est tombé en sept avant. Il y a moyen de calculer. Ouais, rien ne nous dit qu'elle n'était pas médecin. Mais non, elle n'est pas tombée enceinte avant, parce que c'est 400 et quelques. Bah, peut-être qu'elle fait une très, très grosse grossesse. Tu sais pas, en fait. Comme les éléphants. 2 ans. Ah, bon. Peut-être non, qu'elle est infirmière ou médecin. Pas peut-être ouais. Avant, comme métier. Non, mais c'est vrai que déjà en temps normal, mais quelle angoisse! Mais là, de savoir que bah oui, ça va forcément faire mal et que forcément, il va falloir faire ce qu'il faut pour. C'est chaud. Pour lui faire bien fermer sa gueule. Il faut dire les choses comme elles sont. J'adore ce genre de situation quand je me dis, moi, intérieurement, je la fais pas, et qu'il y a quelqu'un, mais alors, hey, qui enfonce la porte à coups de latte. Ouais, ça, le parquet, c'est pas faire de bruit, c'est une mauvaise idée. Avoir des feuilles partout comme ça, là, Sophie, elle a raison. Ouais, mais tu vois qu'il y ait des marques sur le parquet qui évitent les grincements, je trouve ça tellement pas con. Là, ça fait un peu quand même. Bon, alors là, c'est une marche après l'une, après l'autre.
le donjon SM de papa et maman. Je vous ai vu venir et non, il va pas la demander en mariage, on n'est pas dans Game of Thrones, calmez-vous. Tu ne sais pas bricoler, comprends-le, tu ne sais pas fabriquer quoi que ce soit. C'est juste des bouts de plastique que tu as collés les uns avec les autres. Arrête! Tu fous la honte. J'espère qu'il est plus doué que le père dans Gremlins parce que... Il donne une station. Tu sais. Vois, je lui mettrais une baffe là, comme ça, c'est terminé. La station de poche. Et c'est ce qui la sauvera un moment que tu décideras de le mettre. C'est beau. Vie de Tchekhov. Et là, elle capte que les meilleurs sketchs sur Rire et Chanson de Jean-Marie Billard. On a du coup les égouts en boucle. Oh merde. Par contre, aucun ne peut faire de bruit. Ça n'empêche pas d'avoir un minimum de goût vestimentaire quand même. C'est bon, les bidonchons, là. Et Wally, par contre, si tu n'as jamais vu Gremlins, vraiment, il faut que tu le vois. Ah oui, c'est incroyable. Bah, moi, je me suis éclaté. Ah, tu as quand même eu 2-3 jumpscares quand même. Bon, moins que là, tu vois. Mais j'avoue que j'étais hyper étonné que tu dises que c'était dans tes meilleurs visionnages depuis, pour le coup. Ah si, c'était trop bien. C'est cool. Bah oui, c'est génial. C'est l'heure pour le cours de chant choral, les enfants. Mais vous allez loin, au bout du chant, là-bas, là. Vous chantez fort. Voilà. Moi là je lui dis attends mais t'as vu les aliens, t'as vu papa? Je veux dire non. Tu risques rien, regarde ton frère, oups. Et puis si ça, ça c'est va comme pas ça tu cries, c'est comme ça qu'il a été abandonné le petit poussé, hein. Il l'a emmené dans la forêt et... dès que tu as peur tu cries, on viendra te chercher. Oh c'est vraiment égoïste en plus, hein. Essaye pas de le faire rire, par contre. Ah oui, c'est complètement... Mais comment tu rigoles en langage des signes? Mais tu disais, l'être humain est plus, du coup, pas comme dans Walking Dead, mais au contraire. En fait, tu vas dans la maison, là, tu les dépouilles, ils vont pas crier, ils vont rien faire. Oui, mais ça marche dans un sens comme dans l'autre, quoi. Ce que je veux dire, c'est que déjà, bon, les gens prennent un risque à venir te voir, quoi. Ah oui, c'est sûr, mais bon, enfin, faut... ouais. Ils peuvent pas faire un siège, hein. J'ai vraiment de la peine pour la petite. Tu sais, si la porte est fermée, ils vont pas la défoncer. Hein. Personne ne respecte. J'ai vraiment de la peine pour ce monde-là. Plus d'apéro. Tu peux boire en silence. Hein. Par contre, ce qui est génial, c'est des courses-poursuites dans ce monde-là. Quoi. Et quand tu trinques, comment tu fais sans bruit? Ah, bah tu trinques pas, hein, c'est bon. Hein. Oui. C'était pas obligé de trinquer, Tom. C'est pas une obligation, quoi. Tu vois. C'est comme les chants de rugbyman après. C'est pas obligé, en fait. Ah, bah là, c'est surtout qu'il n'y a plus de rugby, quoi. Oui, non. Quand on fait les apéro-comics, on trinque jamais. Il hein. Bah, y a du rugby, mais en marchant. Avec un ballon en mousse. Bon. C'est ça. Et sans se plaquer, parce que sinon tu peux te faire mal et crier. Évidemment. C'est que des câlins. Wally qui dit plus qu'une heure. Bon, enfin, si déjà là tu stresses, après, bon. Bon, le plus dur est passé quand même. Essaye de garder des auditeurs, Jules. Ben, je l'ai jamais vu, Yaya Culture, pour le coup.
Et elle va se rendre compte que ça fonctionne. Ah, Freddy, c'est mortel. Hein. Mais alors, ça veut dire qu'elle gardait quelque chose qui ne marchait pas? Oui, c'était pour le style. Non, mais ou alors elle entendait que les aigus. Elle entend même son cœur. Eh non, ça marche pas. Ce qui est con, c'est que ça se trouve, elle ne sait pas claquer des doigts en fait. C'est clair, moi je pourrais pas m'en rendre compte hein, si ça marche ou pas. Alors, j'avoue que moi là, je comprends pas en fait. Tu comprends pas quoi ? Bah, en fait, ça marche. Donc elle devrait entendre. Bah, c'est parce qu'elle sait pas claquer des doigts. Ça, c'est censé amplifier les sons ? Ouais, bah oui. Bah, je peux lire le manuel hein. Ouais, mais ça serait pour quoi d'autre pour J'avoue que je sais pas trop comment ça marche, mais dans la mesure où c'est collé sur sa boîte crânienne, je pense que c'est une conduite osseuse, quoi. Tu vois. Mais non, mais je déconne pas. Non, mais je te crois. Oui, par vibration. Tu expliques ça très scientifiquement, ça, je trouve ça bien. Par vibration, ils avaient fait même des systèmes comme ça où tu mettais une petite pastille entre les dents, et par vibration des os de la mâchoire, ça te faisait entendre. C'est incroyable, hein. Ouais, tu peux écouter. T'as des casques qui existent comme ça, des casques lunettes. Ouais. Qui en fait appuient. Et du coup, pareil, c'est par vibration des os. Donc je suppose que c'est le même système, quoi. Mais du coup, je comprends pas pourquoi quand elle a claqué des doigts, elle a pas entendu. Bah si on était censé comprendre que ça fonctionnait, qu'elle était contente, effectivement, c'est mal fait. Là, ouais, je. Et l'eau, ça fait du bruit, là. Oui, mais c'est naturel. Alors, oui, peut-être qu'elle a juste entendu. En fait. Elle a juste entendu un truc. Tout bête quoi, tu vois. C'est l'habitude du bruit continu en fait, ils font plus d'accord. Attention à ça. Lui, il a pas l'air très rassuré hein. T'imagines sinon sur la planète, t'as des aliens qui sautent dans l'eau tout le temps. Ils font juste ça. Alors, le gars, il a peur d'un poisson aussi. Il a peur du moindre bruit lui. En même temps, il a vu son frère se faire bouffer sous ses yeux, tu vois. Je peux comprendre. Il a pas vu, il était tenu par son père. Enfin, il a bien compris. T'es pas sûr. C'est pas dit. T'as envie de dire pourquoi t'écoutes pas de la musique à fond tout le temps en fait. Ouais. T'imagines le carnage. Parce qu'à force Michel Sardou t'en aurais marre quoi. C'est clair, en boucle. Voilà le futur quoi. Le film qui démarre sur Terre, brûlé, au fond. Non-stop quoi, jour et nuit. C'est ça. Putain. Connemara. Perso, je prends un système avec des enceintes et des grenades collées dessus, quoi, et des bombes collées dessus. Du coup, s'ils sont malins, ils vont la faire accoucher dans la rivière. Ça va faire du bruit. Mais tire pas, regarde où ça pense. Ah, il y en a un qui marchera dessus. Bah ouais. Elle est belle mais débile. Mais si, l'eau, ça fait du bruit. Mais vu que c'est constant... Il s'y habitue, en fait. Il n'y a pas de problème.
Ouais, je confirme. C'est du québécois. Ah putain, oui. Oui, c'est pas la VF. Je vais mettre en VO, attends. Mais normalement, vous pouvez changer la langue, hein. Ouais. Ouais, j'ai mis en anglais. Et là, ils se font buter quand même. Alors, tu vois, maintenant, je vais pouvoir t'engueuler pour les 3 semaines là, qu'on n'est pas venu là, là. Et c'est ici qu'avec maman, on t'a fait. Attends, tu sais ça depuis 2 ans et tu m'as rien dit. Faites votre maison à côté. Alors qu'on pourrait jouer au Monopoly. Si Wally, mais près d'une cascade. Elle a construit une maison près d'une cascade, quoi. Bah, si à chaque fois que t'as envie de péter, tu dois te taper 15 bornes pour aller à la rivière. Ah, mais tu dis aller habiter près de la cascade. Ah, il faut la construire, la maison, sans se faire bouffer. Hein. Ouais, mais près de la cascade, ça fait du bruit. Tu peux un minimum faire du bruit sans faire trop de bruit. D'accord, mais là, ils sont quand même très près de la cascade. Ah, tu mets des tentes. D'où les Lego Jarod tout à l'heure. T'arrives avec des palissades déjà construites. Pas con. Tu récupères des bidons, tu fais une maison flottante. Juste en bas de la cascade. Je suis tout à fait d'accord, mais quand même entrepreneur en bidon déjà. Des bidons, des palettes. Ouais, d'accord, mais c'est chaud. Ils ont bien planté une croix. Oui, les gens, ils n'ont pas fait de bruit en plantant la croix. C'était un jour de pluie, ça s'enfonçait tout seul. Puis tu sais pas comment elle tient. Si, c'est un peu la faute du gosse qui a refoutu les piles dans le truc, quoi. Écoute-moi bien, fiston, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est un peu con parce qu'ils ont mis la croix là, mais il n'est pas mort ici. Il est mort un peu plus loin. Ah, tu as 4 ans. Comme quoi, le Covid, ça n'a pas été le pire en 2020. Tu sais que ça me fait penser que au retour en salle après le Covid, Sans un bruit 2, c'est le premier film que j'ai été revoir. C'est Tenet que j'ai été voir, moi. Moi aussi. Moi, je crois aussi. Ouais. Et quand j'en suis ressorti, je dis merde, faut que j'y revienne pour le comprendre. Il n'a jamais eu de maison. Oh putain, j'ai mon cœur qui s'est arrêté de battre. C'est pareil, regarde, il a une guêpe près de lui là. Tu te fais piquer par une guêpe. Comment tu dois gueuler comme un fou, quoi. Du coup, déjà, je me sauve. Oh. C'est cool qu'ils ont embauché Pierre Richard. C'est ça.
Hello Arthur. Salut, salut. Mais qui est con ? Lupin en 3D, ok. En fait, ils ne demandent pas grand-chose, ils veulent juste pioncer tranquille et ils sont ronchons quand on lui dit. C'est ça. C'est ça. Moi aussi, hein. Tu me réveilles comme ça, c'est ronchant. Il y a un vieux qui gueule sous ma fenêtre, moi aussi je le bouffe. Hein. Tu m'étonnes. Oh, c'est Jules qui le bouffe surtout. Et il y a fait du pain par terre. N'oublions pas qu'il a des recettes de cuisson. Ah, puis aller aux toilettes quand même. Donc, on peut pas se retenir. Non, mais comment tu dois flipper? Comment tu. Enfin. En plus, l'autre, il est pas là. Oui, il est un peu con-con. Hein. Tu vas pêcher. Au bout de sa vie et lui, il se barre. Il est malin. Ou il est malin ou il est con. C'est clair que le dernier mois, c'est chaud. Hein. Écoute, chérie, on va pas divorcer, je vais te laisser accoucher dans les bois. Je ne veux pas l'avoir marché sur le clou, là. Le clou. On avait dit les Lego, c'est pire. Elle est un peu cherchée en même temps. Ça va faire mal de ouf. Enfin, si tu décharpes déjà, tu chiales, bah alors là. Moi, je traînais à pieds nus, moi, toute mon enfance, adolescence. Je ne compte plus les punaises que je me suis pris dans les pieds. Salut Afro. Ah oui, elle a fait tomber le verre. Salut XP. Salut XP. Ah merde, tu pleures Wally, sérieux? Par contre, si c'est vrai, ouais, il vaut mieux pas que tu restes. Hein. Là, je te dis vraiment. Il reste que 43 minutes, le plus dur est fait. Bah, pas vraiment, c'est là le plus dur en fait. C'est ça. Bah, ce qui est bien, c'est qu'il ne peut pas y en avoir plus de 3 qui meurent là. Tu vois. Écoute, Jarod, j'ai essayé de tout faire pour gagner, pour garder nos auditeurs en fait. Ah oui, c'est vrai. Tout est possible, hein, regarde Psycho. Tu changes de protagoniste. C'est vrai. C'est vrai. Je suis quand même contente de regarder ça avec vous et pas toute seule dans le noir. Tu dis ça. J'ai tendance à penser que si tu les verrais toute seule, tu te serais pas mise dans le noir. Ouais. C'est le 14 juillet, grande lumière. Ah, mais le code alerte. Ce serait bien qu'ils bougent leur cul, non ? C'est rouge. Ça servait qu'à ça, les lumières ? Bah oui, ça sert à prévenir, en fait. Ouais, mais s'il est à 10 km, il les verra pas, hein ? Non, mais c'est pour que quand ils reviennent, il sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi je suis en gros plan là? Oh, fallait laisser.
Faut que j'ai un petit bruit en mode Predator. Hein. Peut-être qu'ils veulent juste remonter leur toilette. Hein. Excusez-moi, vous auriez des toilettes. Bien. Par contre, une chose très con, tu vois, que je viens de penser là, mais. Donc, ils sont attirés par le bruit et ils attaquent tout ce qui fait du bruit. Mmh. On est d'accord. Mmh. Eux, ils font pas de bruit, eux, les monstres. Oui, mais regarde, ils parlent en même temps. Mmh. Ils se reconnaissent entre eux. Bah oui. Moi, je suis pas spécialiste en alien. Hein, mais... je pense que c'est sur ça que j'aurais cherché à reproduire leur bruit ou tu vois, leur claquement ou je sais pas. Pas con. Ouais, prends sur toi, Micheline, un peu là, c'est moi. Hein. Oui, c'est ça, XP. Et là, elle se met à faire des pompes. Elle noue un bandeau rouge autour de sa tête. Ah. Il me fait chier depuis tout à l'heure, ce tic-tac. Hein. Et là, clac, le deuxième pied. Ça s'en souvient pas, tu vois. Oui, c'est ça, XP. Oui, j'ai un doctorat en alienologie. Et ils n'ont pas un système avec genre une enceinte quelque part ailleurs qu'ils peuvent déclencher pour les éloigner? Tu vas voir. Tu vois? Ah. C'est ce qu'on disait, XP. Bon, enfin, il y en a qui plus simple, une enceinte. Horreur, et je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, effectivement. Non, c'est pas un film d'horreur. C'est... Bah, il ne fait pas peur, il fait pas peur, on n'a pas tous les mêmes standards. Hein. Non, mais c'est un film de genre, quoi. Ouais, c'est un film de genre. Ouais. Demande à Wally, je peux te dire qu'il va dire oui, c'est un film de genre qui fait peur. Bon. Je rappellerai que Léna a sursauté quand l'iceberg est arrivé sur le Titanic. C'est le pas que c'est le bon moment pour faire un jacuzzi là. Ouais. Et si on faisait un petit soin capillaire? Ça, à mon avis, c'est pas bon. Hein. S'il veut sortir à un moment donné, ça va sortir. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, il va faire du bruit. Peut rien contrôler, quoi. Enfin. Ah bah fallait pas le faire aussi. Hein. Ouais, mais bon, je veux dire. Non, mais ils avaient prévu un plan quand même, non? Ah, mais monsieur, il peut se contrôler dans ces cas-là. Oui, oui, ils avaient prévu un plan. Mais... Ah. T'as vu la boîte, t'as vu le. Tout à l'heure, ils mangeaient pas dans le sous-sol. Ils ont un sous-sol où tu fais pas de bruit. Ou ouais. Et pourquoi elle y est pas allée? Les gamins étaient en train de calfeutrer le mur. Bah si. Elle a pété le truc dans le sous-sol. Là, le bétail était dans le sous-sol, donc elle peut pas. Mais c'est pas insonorisé le sous-sol puisqu'elle a pété le truc dedans. Mais la porte pas, était ouverte. C'était pas dans le sous-sol quand il y a eu le feu. Hein. Ah. Il y avait la fenêtre. Il était en hauteur, le truc est tombé. Et les j'allais dire les raccoons, les ponts raveurs. Et ce qu'on sait pas, c'est que ce pauvre alien est une sage-femme de sa planète. Et qui vient pour l'été. On lui a apporté des serviettes. Il vient proposer ses qualifications. Ah oui, toi, espèce de grosse conne. Oh, t'es trop méchant. Ah, franchement, elle abuse. Alors, elle devait garder sa mère et elle se barre. Toujours à sa tête. Et maintenant, le bouquet final sur du désirless. Allumez le feu. Allumez. C'est pour abattre le bébé avant qu'il pleure. C'est ça. Non.
XP qui dit franchement, papy fait de la résistance, me fait plus peur. Pourquoi il s'assoit comme un con là? Il croit qu'elle est morte. Il croit qu'elle Il a pas vu le corps. Ils ont peur qu'il corps à chaque fois. C'est ça. Genre. Je vais attendre 2 minutes qu'il ait bien le temps de flipper ce connard. Et après, je lui fais signe. Genre, là, elle a accouché, le bébé, il a pas pleuré. Mais après, sinon, il n'y a plus de film, quoi, merde. Oui, oh. C'est un bébé silencieux. Ouais. Oh. Remarque, maintenant qu'ils en ont eu un nouveau, ils peuvent encore en perdre un. Oh, mais non. Ça va faire peur. Tu peux remettre les dents au gros plan? Non. Ah oui, c'est carrément possible, évidemment. Ouais, il fait du bruit. Là. Mais bon. Effectivement, il faut avouer que c'est un coup de chance quand même. Là, gamin, tu fais plein de bruit, par contre. Ah, pas de sol dans ce bois, gamin. Classique. C'est pas assommé. Reviens, gamin, on va pas de sol dans ce bois. C'est du très très bon gilet, ça. Toi, le bébé, ferme bien ta gueule. C'est du gilet insonorisé, oh monsieur. Grave. Grâce au matelas triple épaisseur, j'ai appris aux aliens. Ah, mais voir de fond sur Ring. On a pas le marre. Et on endort le bébé. En même temps, il doit avoir la dalle. Vous entendez un lave-linge qui tourne? Ah, moi, chez moi, il y a le sèche-linge. C'est peut-être ça. Je l'entends pas du tout. Bah, pareil. Allez, mais directement dans le sac, on gagnera du temps. Donc, le super pouvoir à la con d'XP, c'est de pouvoir repérer les lave-linges en fonctionnement. Ah, c'est même plus une bonne ouïe, la XP. Ils viennent de la même planète. Et puis elle n'entend rien, tu vois, c'est pire. Je ne sais pas si elle fait du bruit, elle ne sait rien. Ah, le bruit là les dérange. C'est le truc qu'il fallait vous d'accord. C'est du frappé. Et comme c'est dans Mars Attacks, ils explosent. Rire et chanson. Ils vont mourir par la voix de Jean-Marie Bigard. C'est quand même dingue. Mais lui, par contre, ok, bon, il a mis sa femme en sécurité, le bébé, ok, mais les deux autres gosses, il n'y en a rien à faire. Hein. Ah, Anne perdue, Anne perdue. À un moment donné, tu gères les priorités, quoi. Ah, merci. Chérie, on ne pourra pas sauver tout le monde.
Il y a quelqu'un qui est sans écoute qui... Ouais, qui écoute, qui écoute un peu fort peut-être. Ah, je confirme. Moi, c'est au casque. Mais moi, c'est au casque aussi. Moi aussi, non? Non, bah, moi, je suis sans casque, mais oui, si, vous entendez quelque chose. Ah, ouais, ouais. Lui, on entend film, du coup. Moi, non. Là, toujours. Le streamer, il fait pas la différence. Là, là, non. Ah, oui. Mais il n'y a plus de son en même temps. Parce que depuis le début, je suis sans casque, en fait. Mais tout à l'heure, j'ai entendu aussi, mais je n'étais pas sûr. Ouais, bah, parce que StreamYard, il peut pas reconnaître entre le film et toi quand tu parles. Ouais, il est en train de se dire, bon, je laisse les enfants crever ou j'y vais ? Mais arrêtez d'en faire à l'appel aussi. Vous servez à quoi si vous n'arrivez pas à les protéger, en faire d'autres? Tu vas t'en souvenir de cette phrase. Ouais, bah j'ai compris. Quand ce genre de promesse est faite, tu sais que c'est l'autre qui va crever. La femme de ménage aurait pu faire le boulot quand même. Léna, elle a dit c'est bon, je lâche l'affaire, j'en ai marre. Elle est comme ça. C'est quoi ça? Et en plus de tout ça, on se tape un dégât des eaux? Attends, il y a encore l'eau courante? Je crois. Ça, c'est le genre de truc à pas faire. Mmh. Pas ça chez vous, les enfants. Le retour de flamme. Ouais. Brûle ton frère. Ça va, ce sera pas son premier. T'es horrible. Ce que je voulais dire, ne t'inquiète pas, tu peux me brûler. Je connais pas l'Homme Monster. Yeah, yeah.
Ah si, c'est avec le jeune qui traverse un monde qui envahit de monstres. C'est un film Netflix. Je crois. C'était pas Prime. J'ai cru que t'allais dire. Si, c'est un film je crois pas que c'est Netflix. Avec un monstre amoureux. Si, c'est Netflix. Ah oui, c'est Netflix. Ah ouais. Et cet après-midi, on m'a conseillé aussi The Silent avec Tucci. J'ai jamais vu. Pas vu. The Silent, ça ne me dit rien. Pareil, film Netflix. Le film Netflix qui était sorti à la même époque, la même année que celui-là, c'était Bird Box avec Sandra Bullock. On en parlait justement tout à l'heure. Eh ben, j'ai pas vu tout le film, moi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'eau? Parce que j'ai eu un loupé. Bah, c'est un tuyau, mais du coup, j'ai pas compris. Enfin, ils ont l'eau courante, c'est quoi le délire? Il y a un tuyau qui a pété, c'est ça? Bah oui, mais je vois pas d'où ils ont de l'eau courante. Alors, je pense qu'ils ont. Voilà, ils ont de l'eau courante, bon, voilà. Ouais, et elle est remontée, elle? Je pense que c'est le bétail quand il est descendu tout à l'heure. Et c'est lui qui est descendu, alors, le monstre. Ah, oui, quand il dégonde le chauffe-eau. Du coup, il a pas remis le matelas, l'autre. C'est un espèce de cumulus qui dégonde. Il a remis le matelas, mais avec l'eau. Ah, il a bougé. Oh, en plus, si ça, en plus ça nage, cette saloperie. C'est horrible. Ah bah, qu'ils aillent dans l'océan et qu'ils nous fassent pas chier. C'est clair. C'est plus grand que la Terre, donc il y a plus d'eau. Ils bouffaient les poissons. Il y a quand même moyen de vivre tous ensemble sur cette bonne vieille Terre. Bah oui, à un moment donné, qu'ils aillent dans l'eau, il y a des trucs à manger. Moi, je monte sur le lit et je bouge plus, quoi. Je reste pas dans l'eau. Ouais, mais il y a le bébé. Mais il y a le bébé qui fait du bruit, Sophia. On s'en branle du bébé au bout d'un moment, elle est capable de faire. Hein. Vous êtes horrible. Attends. Elle est horrible, mais elle est prête à se cacher le visage avec ses mains. Oui. Regarde-la. Coucou. Mais là, tu lui donnes à bouffer les bébés. Bonjour, tant pis, non, mais non. L'instinct de survie, hein. Vole-lui son nez. Fais-lui, je te vole ton nez. J'ai pris ton nez. Ah mais là, juste le bébé, il fait... c'est fini. L'instinct maternel, quoi. Fin d'histoire. Elle avait juste à fermer la là, boîte. Il fait un bruit, ils se font bouffer tous les deux. Alors qu'elle l'aurait laissé, au moins, elle survivait. C'est pas possible. Oui, mais elle vient de dire avant, du coup, le poil de la culpabilité, blablabla. Ouais. Derrière la petite cascade. Ça se passe toujours quand lui, il n'est pas là. Hein. Ah oui, bah ça, effectivement. Moi, c'est pareil. Main, hein. Un de mes enfants, j'ai déjà fait ça, qui a pleuré. Mais tu l'as rendu après ou pas? Parce que... Ah oui, il y a une collection de nez, maintenant. Ah non, mais moi, j'ai dit, mais non, regarde, c'est mon pouce. Et ma fille m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait de mon nez? Qu'est-ce que tu veux faire? Arrêtez! Mais du coup, elle se repense, c'est un peu. Ah, si elle y va, c'est peut-être leur appareil qui va le sauver. Tu vois, la casse-couille, hein, faut toujours qu'elle fasse des trucs casse-couille. Mais non, mais elle a raison. Faut qu'elle y aille, que son appareil, ça peut les sauver. Oh putain. Ah bah là, je sais pas de quelle hauteur il est tombé, mais il est peut-être mort. Hein. Là, je pense qu'il est mort. Mais vous allez voir, mais c'est pas vide. J'espère que c'est du vin. C'était une usine de matelas. On va pas se mentir, hein. À mon avis, il a dû se faire très mal, mine de rien. Bon, là, il a les deux jambes. Hein. Mais non. Bah oui, c'est du béton quand tu tombes, hein. C'est pas ça, tu t'enfonces pas, genre. Oh ouais, par contre, ça aurait pu faire très mal. Ouf. Ah là oui, par contre. Mais je connais et quelqu'un si qui meurt. C'est un saut de popcorn géant, en fait, du coup. Qui pop. Mais grave. Ça, je connais quelqu'un qui est mort comme ça. Hein. Blague à part. Tombé dans un stylo. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bah, elle est con. Bah, mais non, elle est pas con. Il y a la porte. Elle a son appareil. Ah, mais d'accord, mais comme ça, ils vont être deux à mourir dans le stylo. Mais non, ils n'arrivent pas à approcher de son appareil. Bon après, ils mourront pas de faim, quoi. Ah, mais là, par contre, t'es vraiment bête. Bah oui, c'est...
Pourtant, elle était accrochée. Je comprends pas pourquoi elle l'a lâchée. Jack, reste sur la planche avec moi. Non, Rose. C'est inverse. Pour la retrouver. Hein. Et où est le cœur de l'océan? Bien vu. C'est la différence entre l'homme et la femme. L'homme sauve la femme. La femme, elle a la... Oh non. C'est pas le problème. Et là, il récupère l'alien. Et là, il plante. Il sait tellement pas quoi il ressemble. Et en fait, il rentre avec l'alien, il croit que c'est son gosse. C'est ça. Allez, viens, Joey. XP qui nous dit que cette scène a sûrement goûté beaucoup de blé. Oh, oh, oui, là, oh. Je reconnais bien XP. Ah, puis alors, ce petit grincement à la con, là. Tombera-t-il, tombera-t-il pas? Mais avec le père qui arrive, c'est peut-être là qu'ils vont comprendre l'intérêt de son appareil. C'est clair. Vite, traçons. C'est clair que pour... C'est que l'armée, ils n'ont pas testé ça depuis longtemps, tu vois. C'est clair que pour le doublage à la distribution... Bah, c'est tranquille. C'est, hein. C'est plutôt coolax, hein. Oui. Allez, une bonne petite heure et c'est plié, hein. Encore dans la version que Lena nous a affilée, les mecs ils disent tabernacle et tout, je comprends pas. Non, dans la version en français, c'est le même mec qui double tout le monde. Putain, c'est ce qu'il faisait sur les télés de pays de l'Est, c'était incroyable ça. Ah ben... C'est juste un mec qui fait toutes les voix et même pas il fait l'intonation, juste vraiment il raconte quoi. J'ai vu un épisode de X-Men qu'en témoigne. Hein. Il y a un mec qui double plusieurs personnes. Hein. Ouais. Je suis tombé dessus des fois la nuit sur des vieilles chaînes du câble. Mais après, sur les dessins animés, c'est courant que t'es. Ouais, c'est courant, parce que même sur les Tintins. Oui, mais qui fait plusieurs voix, quoi. T'avais là, c'est vraiment juste un mec qui fait oui, donc là, machin, puis. Mais oui, dessins animés, oui. Sur Tintin, tu disais, Tim? Ouais, sur Tintin, t'as les mecs qui font les Dupont, qui font aussi toutes les voix, tu sais, quand t'as les mecs dans les haut-parleurs, des trucs comme ça, pour annoncer les oui, trains. Oui, c'est vrai, ouais. Lui, il aura vraiment servi à rien. Il arrive toujours en retard. C'est moche ce que tu dis. Mais non, excuse-moi, les gosses, ils ont dû se sauver tout seuls alors que. En fait, c'est plus sécuritaire quand il n'est pas là. Et là, il leur dit, vous avez été adopté. Là, elle va être trop contente, ils sont tous sauvés et du coup, elle va se faire tuer. C'est XP à lâcher les vannes. Il est au taquet. Qui vote pour un papa qui se sacrifie? Moi, je tuerais plutôt la mère. Non, ouais, alors qu'en rentrant en marchant tranquille, ils font pas de bruit. Elle lui a fait faire la promesse tout à l'heure, c'est lui qui va crever. Alors qu'il suffit qu'il reste au milieu sans faire de bruit. Et encore, t'aurais pu avoir pire, Sophia, t'aurais pu avoir le « on en parlera quand je rentrerai ». Oui, c'est ça. Ouais. Arrêtez de lui donner raison. Mais non, mais... Et pourquoi il reste pas sans faire de bruit? Bah oui. Il est con, c'est le titre. Mais non, mais c'est vrai. Pourquoi il va chercher une hache et tout? Genre il va gagner. Non, je suis pas d'accord avec toi, Jules. Le titre, c'est Un coin tranquille au fond du jardin. C'est pas pareil. Il suffit juste que tu restes à côté du poteau sans faire de bruit, c'est réglé.
Ouais, mais tu respires, pas, là, tu le mouilles. Non, mais... Regarde. Mais c'était sûr. Ouf. Allez, bien joué. Ouais, Guignol. Il ne peut pas utiliser son appareil de merde. Hein. Hein, si. Et hop, elle l'a éteint. Tu vois quand je te dis qu'elle est con. Quelle connasse! Mais elle est complètement débile! Mais elle n'a pas compris. Elle a... Ça fait deux fois. Elle a 12 ans. Oui, mais sauf que la première fois, elle ferme les yeux. La deuxième fois, elle ferme les yeux. La première fois, c'est derrière elle. Elle ne le voit pas. Donc, elle n'a toujours pas compris, en fait. Ah, mais s'ils font des neuneux aussi. Voilà, après, c'est vrai que quand tu as fait deux débiles, tant qu'on ne soit pas encore un, tu vois. Enfin, trois. Tu t'arrêtes au bout d'un moment. Voilà. Il est venu le temps des cadeaux. J'ai toujours rêvé de chanter du garou. Et là, je te dis, bande d'enfants de merde. Au moins une fois, je le dis au moins une fois. Pète couille. Comment vous défoncez une scène qui est vraiment... Mais... Non, elle est magnifique, cette scène. Je vais pleurer. Puis elle est au ciné, elle est en train de regarder des films comme nous en fait. De mémoire, il n'y avait pas de doute hein, sur le fait qu'il ait pu s'en sortir ou pas. Et là, quand la voiture s'arrête, c'est la cucaracha qui résonne. La voiture s'arrête pas, ils partent à Seattle, là. Ils sont arrêtés pile dedans, c'est bien, wesh. Ah, c'était pile poil, hein. Bon, nous, avec Way Out, on a fait un peu la même, hein. C'est vrai. Bon, papa est mort, mais vous avez un petit frère. Et après, elle crie. Ah ben non. Mort, mais par contre, il y a un casse-couille qui crie, donc c'est bien. À qui il faudra aussi apprendre à ne pas mettre des piles dans. Ah, et puis t'imagines, tu peux même pas fermer les portes, mettre des attention, verrous. Attention, il y a un clou, bruit. Hein. Ouais, c'est ça. Attention quand même, hein, y a un clou là. Par contre, son pied. Tu vois la casse-couille ? Qu'est-ce qu'elle fait encore ? Il y a un clou, on t'a dit Mireille. Ah, mais Mireille, elle est sourde. Ouais, mais c'est ça en plus. C'est la créature, elle peut être derrière elle. Pff, elle n'entend rien. Donc, c'est la créature qui va se prendre le clou. C'est un piège en fait, c'est le seul piège de la maison. Hein. XP, toujours au top, le clou du spectacle. Pardon, j'avais oublié un panier de linge sale. J'ai failli te mettre à laver. J'ai failli te mettre à laver. Pourquoi elle regarde tout ça comme si c'était la. Ah, mais elle avait pas le droit de descendre avant. La première fois, non, elle avait pas le droit de descendre. Mais pourquoi elle avait pas le droit. Tu l'as regardé le film. Mais oui, mais pourquoi elle avait pas le droit. Il lui a dit tout à l'heure. Ah bon. Quand. Ouais. Mais elle a voulu descendre à un moment. Elle a voulu descendre et qu'il la récupère. Non, mais je sais qu'il lui a interdit, mais il lui dit pas pourquoi. Mais elle a pas à savoir, c'est une petite conne. Vous dites ça parce que vous savez pas, c'est tout. Si, moi je vous dis, parce que c'est aussi leur donjon SM. Mmh.
là, ce serait peut-être pas mal que tu le rallumes, du coup. Oui, mais au bout de toute fois, c'est toujours pas rendu compte, c'est pas de sa faute. En fait, tu sais, c'est horrible. Elle croit, du coup, que son père a toujours pas réussi, en fait. Son truc merde. Et là, le coup part. Pardon. En fait, il voulait juste que... En fait, ton père voulait qu'il t'entende crier sur toi, en fait. Pour te dire que t'étais une conne. C'est pour ça qu'il a travaillé si longtemps pour que... Alors, écoutez, je me suis dit, vous avez plus de mari. Moi, personnellement, j'ai pas de femme. Alors, je m'appelle Jean-Jacques. Je suis vegan. Par contre, c'est un peu con, quand même. Ok, il se repère qu'au son. Comment ? Mais dans ce cas, il faut qu'ils aient un système de d'écolocation. Ouais, parce que sinon, ils se prendraient les murs. Bah, sinon, ils se prennent tout ce qu'il y a sur leur chemin, quoi. Ils se prennent tous les arbres, tous les murs, tous les machins. Ah, mais ça doit être les petits claquements qu'ils émettent qui doivent les... Écolocation, donc. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Donc, il n'y a pas que le son émis. Il y a le son qui se réverbère aussi. Elle va dire, oh, j'entends rien. Bah oui, allume. Mais non, justement, c'est ça. Elle va comprendre avec tout ce qu'il y a de noté. Il était temps qu'elle comprenne. C'est con, t'aurais compris 10 minutes plus tôt. Tu sauvais ton papa. Donc ouais, pour le coup, c'est vraiment de ta faute, quoi. C'est horrible. C'est-à-dire que c'est de sa faute si son père est mort, sa faute si son frère est mort. Ça commence à faire un beaucoup quand même. Donc c'est bien qu'elle avait compris qu'il passait quelque chose, sinon on ne ferait pas lien. Par contre, elle n'est peut-être pas obligée de le porter, il suffit d'allumer en fait. Hein. Allez, bravo Einstein 8. Ouais, voilà, elle n'a pas à le porter en fait. Je trouve le design de la créature vraiment cool, moi. Il est très, très bien, j'aime bien. Ouais, c'est bien foutu la créature, j'aime bien. Et même, je trouve vraiment que son design correspond vachement au déplacement qu'elle fait. Enfin, ça marche bien. Tu vois qu'elle est pas con. À mon avis, son père, elle l'a fait exprès aussi. Hein, oui, c'est un coup monté. Le quitter peut-être pas des yeux. Voilà, parce que fusil de chasse, ça reste quand même une... Ouais, mais enfin, elle aurait fait ça depuis le début, elle aurait gagné du temps. Bonne vieille belle dans la tête. Forcément, ça attire les autres, non. Bon, là, le gamin, il s'est pris une gerbe de plomb, mais bon, c'est pas... Logiquement, ça devrait attirer les autres. Là. Oui, là, par contre... Et là, elle lui dit, chérie, va chercher la compile de Patrick Fiori, ça fait le même bruit.
Patrick Sébastien. Ah, là, ça craint. Bah, mets ton appareil sur les enceintes. Bah oui, déjà, et puis après, tu les désingues à coup de fusil. Hein. Par contre, il vaut mieux que ça tienne, hein, puis qu'ils aient des piles de RAM, parce que... Oui. Bah oui, voilà. Eh, elle va parler, tu sais. Du coup, maintenant, tu peux carrément créer des camps. Pardon. Je savais que ça te ferait rire. Le plan à la Sarah Connor. Je m'y attendais pas. Bah oui, comme ça, maintenant, tu peux créer des villes et tout, il suffit d'avoir des systèmes d'enceinte autour. Bah ouais. Bah, vous n'allez pas à la scène post-gène où en fait tu les vois sur la compagnie créole en train de faire la fête. Non mais ça va, franchement c'est cool. Attends. Non, mais non. Attends, parce qu'il a eu le temps de préparer un logo, il n'y a pas de générique, mais on a des logos. Non, j'ai pas de logo, j'ai... Non, 1h24 du coup, et je pense que c'est ça aussi qu'avait apprécié ma femme. Elle n'aime pas les films, tu vois, de 2h, 3h. Elle a beaucoup de mal avec ça, et du coup... Putain, je respecte vachement comment t'arrives en loose day d'un coup à glisser ma femme. Là, c'est Colombo. Mais non, mais c'est vrai. Tu t'y attends pas, et d'un coup, comme ça... Pop. Non, mais... Tu sais, tu voulais donner ton avis, mais il fallait d'abord que je... Non, mais non, pas du tout. Avant, en fait, il faut refaire une intro, puisque je vais remettre le tout sur... En fait, il faut savoir que sa femme regarde les replays. Si elle n'est pas citée, il n'a plus le droit de faire des lives. Mais non, pas du tout, c'est pour remettre le film dans son contexte, puisque je vais couper à ce moment. Mais non, en l'occurrence, effectivement, elle aime pas les films longs, et pour le coup, j'étais très étonné qu'elle aime ce genre de film, et pour le coup, elle avait surkiffé. Donc, nous venons de regarder Sans un bruit, qui dure donc d'une heure 24, un petit 1h25, et bien du coup, qu'en avez-vous pensé? Monsieur, madame, puisque Léna, tu ne l'avais pas vu, et Sofiane non plus. Honneur aux dames, Léna. Ouais, moi, ça m'a fait un peu peur. Mais pas autant qu'Ali. Évidemment, non, dans le chat, vous pouvez réagir hein, pour le coup là. Non, en même vrai, de passer vos messages. J'ai trouvé ça très cool, et effectivement, le fait que ce soit pas long, bah, du coup, t'as pas de longueur et t'as pas le temps de t'ennuyer. Et ça marche vachement bien, bon, même si on a beaucoup critiqué. Hein, voilà. Ouais, mais en même temps, ouais, tu l'as pas découvert comme nous, on l'a découvert. Où, c'est vrai. Nous, on a quand même désamorcé certaines scènes en parlant, ouais. Quand tu le regardes seul dans le noir. Ah oui, non, mais toute seule dans le noir, j'aurais pas pu, hein, j'aurais eu trop peur. Déjà, là, j'étais pas toujours sereine. Ça, c'est vu. D'ailleurs, il faudrait regarder les gros plans, Jules. Mais non, franchement, très bien. Et le fait, en fait, t'as pas besoin qu'il y ait tant de personnages que ça. Parce qu'en fait, après, ça n'a pas dû coûter trop cher au casting, du coup. Bah, c'est ça aussi. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a été une bonne surprise, justement. C'est que c'est un film qui a pas coûté trop cher. Ça reste un film de genre. Les gens au casting, bah, franchement, au niveau acting, je sais pas ce que t'en as pensé, mais. Oui, ça va. Et puis, ils ont pu mettre tout le budget dans les créatures, finalement, puisqu'il n'y avait pas grand monde à payer. Oui, mais complètement. Ouais, puis non, ça, mais ça... c'est beau. Enfin, je trouve que les créatures, franchement, elles marchent bien. T'as pas honte de les montrer. Je suis mort intérieurement. Wally, on a quand même désamorcé certaines scènes en parlant. Ça, je trouve qu'on est... Peut-être que c'est toi qui me fait peur, Tom. C'est ça. Non, mais on est quand même, je trouve, sur un bon équilibre au niveau de, tu sais, pas montrer la créature, trop la montrer. Enfin, je trouve que quand on la montre, c'est à bon escient, quoi. Pas nécessairement expliquer d'où ils viennent, aussi. Ah oui. Oui. Et c'est ça qui est bien, qui participe au mystère, du coup. Mais à l'époque, il avait prévu déjà d'en faire un deuxième, en fait, justement, qui... Pas qu'il explique, mais un petit... Enfin, tu sais, il avait tout prévu, en fait, sur deux. Il voulait même en faire un troisième, et puis finalement, ça sera un préquel, mais... Et c'est lui qui fera le préquel aussi, ou pas? Non, Krasinski, il a fait que le premier à la réal, hein, c'est tout. Ah, d'accord. Okay. Et du coup, c'est dans le préquel qu'on apprend qu'ils étaient persuadés que c'était un Center Park, la Terre. C'était un Burger King. Yaya qui nous dit c'est un bon film avec une ambiance. Non, il a fait le deuxième aussi. Hein. Au scénario, c'est pas la réal. Hein. Il me semble pas que la réal, c'est lui. Oui, le réalisateur, c'est lui. Hein. Ah ouais, ouais. Tu vois, je croyais que. C'est les fausses infos de Tom. Non, mais je sais pas pourquoi. Il y a une rupture un petit peu dans le ton.
Et je pensais que du coup, c'est pas forcément lui qui l'avait réalisé. C'est lui, parce que... c'est lui qui fera le troisième. D'accord. Moi, je me rends compte que du coup, toutes troisième. Les. Ah, il y aura un vrai troisième. Ouais. De Tom n'est vrai. Ouais, c'est ça. Dans tous les watch parties qu'on a fait, où à chaque fois il nous disait des trucs, et moi, tu sais, je le croyais. Je dis, oh, putain, il en sait des choses. Il invente tout, c'est une catastrophe. Moi, j'ai eu quelqu'un cet après-midi qui m'a. Alors, effectivement, c'était un très bon concept. Par contre, le troisième, c'est pas. C'est exactement ce que j'allais dire. Et il y a quelqu'un cet après-midi qui m'a demandé si c'était un huis clos. Du coup, ça m'a beaucoup fait rire. Parce que j'ai pas arrêté de dire pendant qu'on regardait la mouche en off. Que moi j'aime bien parce que c'est un huis clos, moi j'aime bien parce que c'est un huis clos, et finalement toutes les scènes sont pas un huis clos du tout. Mais c'est vrai, c'est un bon high concept, effectivement. Ouais. Il a trouvé une bonne idée. Puis Bird Box, de mémoire, c'est la même, mais en mode faut pas regarder. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ce que je comprends beaucoup moins. C'est plus des esprits, je crois, non? En fait, le concept c'est que si tu regardes, ça te pousse à te suicider. Tu vois quelque chose qui est tellement insoutenable, ou je sais pas, en fait, ils te disent pas ce que tu vois. Ah, comme quand tu regardes The Voice. Je sais plus pourquoi j'ai dû m'arrêter à ce film et je n'ai pas continué. Mais ça marchait plutôt bien. La fin était pas, je trouve, transcendante, mais sur le concept et sur le tout, ça marchait plutôt bien. Il y a eu un spin-off aussi de. C'était. Ouais. Je sais plus. Ouais, sur Netflix aussi, qui se passe au Mexique, je crois, ou par là. Catbox, je n'ai pas réagi tout de suite. Ça s'appelle Bird Box Mexico. T'as comme Narcos. C'est une blague ou c'est vrai? Bird Box Barcelona. Ça se passe à Barcelone. Ah, c'est aussi con. C'est pas loin, tu vois. Ouais, c'est pas loin. Ouais. Et Sofiane, du coup, toi? Du coup, je trouve ça plutôt pas mal, effectivement. Il y a une bonne idée à la base. Il n'a pas essayé d'en faire trop. Il reste sur un truc très. C'est ce que je dis toujours. Hein. Il faut, pour une bonne histoire, il faut de toute façon d'abord que tu aies des personnages, que tu puisses ressentir de l'empathie. Et à partir de là, tu peux emmener les gens où tu veux. Mais c'est toujours le point de. Ça doit être le noyau de ton film. Plutôt que de partir dans des grandes histoires sur l'extraterrestre ou je sais pas quoi, ou sur l'humanité ou machin. C'est une famille. Voilà. N'importe qui peut se reconnaître là-dedans. Du coup, ça fonctionne avec ce décor de fond, avec cette histoire d'extraterrestre. Donc c'est cool, je trouve que c'est intelligent pour une première. Ouais, il a écrit et réalisé en plus, je crois, c'est ça. Ouais, je crois bien. C'est écrit et réalisé, oui. C'est intelligent, puis bon, les acteurs. Bon, t'as la chance d'être marié avec Emily Blunt, ça aide. C'est sûr, oui. Les enfants jouent bien, ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là. Donc franchement, ça c'est plutôt cool. Et effectivement, ils ont mis leur thune là où il le fallait. C'est plutôt cool là-dessus. La créature qui reste mystérieuse au départ, que tu vois très vite fait, machin, flou de mouvement ou quoi. Qui va se dévoiler au fur et à mesure quand même pour répondre à la curiosité, mais ouais, qui est bien travaillé et tout. Enfin, non, je trouve que c'est bien foutu, franchement bien foutu. Et en production associée, c'est quand même Michael Bay de la franchise. D'accord. Michael Bay, le mec qui fait tout péter, tu sais, même les titres, même les le gars qui a fait un des films. Enfin, j'espère bientôt en rattrapage le film le plus réaliste sur l'espace, Armageddon. Je crois que tu parlais de Transformers. N'empêche qu'il a coûté 17 millions à faire. Ouais, c'est pas grand-chose. Hein. Et il en a rapporté 334. C'est plutôt pas mal. Avant, on savait faire des films à petit budget. Ouais, mais si tu regardes, on n'est pas à peu près sur le même ratio avec Blair Witch, qui lui colle vraiment les millions. Non, Blair Witch, c'est encore pire. Non, Blair Witch, c'est 10 000 balles qu'il a coûté. Ouais, Blair Witch, c'est vraiment que dalle. C'est le film qui a le plus gros ratio. Ouais, enfin, ça a été battu maintenant par Paranormal Activity, je crois. Ouais. Mais de base, c'était lui. Alors que Blair Witch fait 100 fois plus peur que Paranormal Activity. Ouais, Paranormal Activity a coûté encore moins cher parce qu'en plus c'est dans une baraque, ils n'ont même pas à prendre la voiture pour aller dans la forêt. Moi je trouve ça cool, ces petites watch parties de films qui font peur, tu vois. Ouais, parce que comme ça, vu qu'on parle, ça te permet de moins avoir peur. Bah oui. Et même le budget de Sans un bruit. Ah non, alors attends. C'est oui, 61 si millions celui bon, Sans un bruit 2. Bah moi j'ai fort du succès de Sans un bruit, le deuxième volet a explosé le budget. Ouais, 61 au lieu de 17, effectivement. Ah, Wally a pas aimé. Alors, en même temps, il y a Cillian Murphy. Hein. Au box-office, il a fait un peu moins. 300 millions, 290. Ah bah, il a pris 50 millions, donc forcément. Non, non, il coûtait pas si cher à l'époque. Parce que, après, je ne sais pas si quand ils t'annoncent le budget comme ça, ils mettent aussi le cachet des acteurs oui, dedans. Le cachet des acteurs, c'est dedans. Ouais. Ouais, t'as, pas ça, les primes, ouais. T'as pas les primes qu'ils ont après, genre les intéressements sur box-office ou des trucs comme ça, mais t'as le salaire. D'accord. Après, Krasinski n'a pas dû coûter très cher en termes d'acteurs dans le 2. Ouais, mais il est réel. Donc, non, il y a du camp de minimum de toute façon pour eux. Et s'il est pas trop con, il a pris plus que pour le premier. Il est réel, co-script, co-prod.
Non, mais t'es malin, ce que tu fais, c'est que tu prends moins sur ton salaire. Tu prends moins sur ton salaire et par contre, tu prends un pourcentage sur les bénéfices. Ouais. Ce qu'a fait Lucas à l'époque, c'est comme ça qu'il est devenu riche. Hein. Et pour le coup, moi, le 2, j'en garde pas beaucoup de souvenirs. Moi, j'en garde un très bon souvenir et je suis en train de penser que quand on disait qu'ils sont dans la cave avec l'eau et qu'ils plongent sous l'eau, non, ils ne savent pas nager. Hein. Ah ouais ? Dans le 2, c'est montré qu'ils ne savent pas nager. Alors, l'Evian est repris dans le 2. Ils sont sur une île. Oui, voilà, ouais, tout à fait. Alors, attends. Du coup, je reprends. Ah, Wally viendra avec nous pour le 2. Ah, cool. Je le trouve plus intéressant, le 2, parce que déjà, ça t'explique un peu d'où ça vient, tout ça, et puis ça étend un peu. Ouais. Ouais, moi, ça me touche plus, justement, parce que c'est plus famille, du coup. Et puis les membres de la famille qui feront n'importe quoi les uns pour les autres, quoi. Et je trouve qu'il y a un peu moins dans le 2. Et ouais, non, ce côté un peu cocon. Moi, je pense vraiment à Jeff Lemire quand je regarde ce type de truc, quoi. Parce que vraiment, il y a un côté tu mets une famille ordinaire dans une situation extraordinaire, quoi, tu vois. Moi, je pense que, ouais, non, pour moi, il marche aussi parce que c'est ce qu'on aurait dû faire pendant le Covid. C'est-à-dire que sélection naturelle, le gamin, il est con, il allume son jouet, il crève et puis c'est tout. Quoi. Si on avait agi pareil pendant le Covid, ça aurait été vachement mieux, les gars. On aurait résolu les problèmes, l'illettrisme, on aurait tout fait, quoi. Tu me dis, écoute. XP qui nous dit, il rajoute de l'attention avec une fille sourde et muette et son épouse enceinte. Tu sais, avec ces deux personnages, que ça peut partir à tout moment. Bah, c'est clair, quoi. C'est clair que sans ces ajouts-là, ça marche pas autant non plus, quoi. Évidemment. Là, il y a vraiment une tension constante, quoi. Et puis du coup, tu t'aperçois aussi que en faisant du film de genre, t'as pas besoin de beaucoup de budget effets spéciaux. Ah bah ça a toujours été pas ça, ouais. Mais alors attends, du coup, je regarde un petit peu. Wally, du coup, t'as pas trouvé ça cool, du coup? J'aurais préféré voir Fast and Furious. S'il n'y a pas les choses qui font peur, effectivement, t'as quand même quelques jumpscares. Wally, il aurait préféré qu'on fasse une watch party La Reine des Neiges, comme je t'avais proposé, Jules, mais bon. Non, mais après, arrête. Non, mais... Pire jumpscare, c'est quand t'as Vin Diesel qui se trouve à parler avec Gal Gadot. Attends, pardon, de quel film déjà? C'est un jumpscare, là. Et encore, t'as pas vu le 10, Sofiane. Je crois que la scène post-jet du 10. Mec, en termes de jumpscare, t'es pas prêt. C'est 4 ou 5 où t'as Vin Diesel face à Gal Gadot. Ce moment, il est absolument incroyable. Hein. Tout l'acting est mort sur place. C'est ouf. C'est juste ouf. Ah, mais je crois que t'es vraiment pas prêt pour le 9 et le 10, en fait. Non, mais si, il est prêt. Il attend que ça, lui. Ouais, moi, plus n'importe quoi, mieux c'est, hein, ce que j'attends. Mais après, ouais, puis t'as aussi le côté où t'es vite Kevin, tu vois, côté campagne, machin, nature, qui change un peu aussi, qui est plutôt cool. J'ai pas eu plus peur que Wally, faut pas déconner. Non, et puis tout le concept des lumières, on n'a pas besoin de te l'expliquer pour que tu comprennes que le rouge, c'est l'urgence, machin, tout ça. Ça te prend pas par la main pour tout, ouais, ça te fait comprendre les choses. Ça te fait comprendre les choses et c'est plutôt bien amené, ouais. C'est pour ça que j'ai pas tout compris, moi. Le fait que tu balayes à un moment, tu vois, les caméras de surveillance, le fait que tu balayes les coupures de journaux, tout ça, enfin, ça t'explique, ça, effectivement, ça te prend pas par la main. Et même, je trouve que c'est un film, qui oublie pas justement son concept en cours de route. C'est-à-dire que il n'est pas Serratine. Pardon ? Ouais. Non, mais à chaque fois, tu te dis... moi, je me souviens que la première fois où je l'ai regardé, je me suis dit « Putain, il marche sur du sable. » Ah bah oui. Tu vois ? Constamment, je me dis « Bah attends, mais ils n'ont pas d'assiette, évidemment. » Tu vois, que des trucs comme ça où je trouve qu'à chaque fois, ouais, c'est bien. Tu vois, par exemple, je me suis dit à un moment donné « Putain, mais pourquoi feu d'artifice, quoi ? Tu fous une grosse enceinte, et puis... » Ouais, sauf que... Ils arrivent, ils défoncent les enceintes, on n'en parle plus, quoi. Alors que le feu d'artifice, à partir du moment où c'est en l'air, quoi. C'est ce que je disais aussi pour les portes. Pourquoi tu fermes pas la porte pour leur éviter d'entrer? Parce que ça fait du bruit, t'as des verrous à mettre, ça fait du bruit. Ouais, non, mais clairement. C'est ça, c'est ça. En plus, ça ne sert à rien. Quand tu vois comme ça, claquer une porte. Non, il faut trouver un endroit où il y a un bunker, en fait, et t'es tranquille. C'est ça. Ouais, ça, un ancien bunker pour milliardaire. Ouais, mais insonorisé. Ah, tu sais, quand t'es 40 mètres sous terre, en fait, au niveau insonorisation, t'es peinard. Oui. Puis après, même à défoncer, c'est moins facile qu'une porte en bois, quoi. Mais ouais, après, je... Et puis, moi, la gamine, je l'avais jamais...
je l'avais jamais vu dans quoi que et je trouvais qu'elle, qu'elle marchait vachement bien. Quoi. Enfin, qu'elle jouait, pas du tout, Wally, le père n'est pas dead. Non. Il fait copain avec l'extraterrestre, en fait. Ils sont devenus amis, ils jouent aux cartes, tous les deux, maintenant. Dans leur cave. Non. Tout va bien, t'inquiète pas. Je trouve que vraiment, ça laisse pas de place au doute, quoi. C'est-à-dire que vraiment... laisse-le espérer. On va pas lui dire tout de suite pour le Père Noël. Et alors, il y a Yaya qui nous dit qu'il y a le film Mad Heidi. C'est un film d'horreur sur Heidi. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce concept ? C'est le film le plus con et le plus drôle que j'ai vu, c'est du grand art. Mad Heidi, alors, dans le genre con et jouissif, je l'ai posté sur Insta. Je vous conseille vraiment Sissu. Du sang et du sang. Je l'ai pas encore vu, sûr. Mais ah, mon Dieu, quoi. Ça, ah, mais si, je dois l'avoir, ce truc-là, Mad Heidi, là. Je suis tombé dessus. Jarod. Et mais waouh, là pour le coup, on touche les potards et le concept à fond. Hein. Ouais. Moi, le dernier que j'ai vu en vraiment débile et drôle comme ça en film d'horreur, c'était le Slaughterhouse, celui avec le paresseux tueur. Il est incroyable. Il est tellement drôle. Ah oui, tu en avais parlé. Au début, vraiment, là, on a été à deux doigts avec les ratons laveurs. Hein. Ah mais mec, la première scène du film, genre c'est le paresseux qui tombe dans l'eau et t'as un énorme crocodile. Et genre, tu vois le paresseux qui ressort de l'eau et tu vois le crocodile sur le dos. Non. Mais vraiment, le moment où il se comporte au départ à peu près comme un animal, mais t'as un moment où t'as un siège qui se retourne et tu vois que t'as le paresseux dessus et là il se met sur l'ordi et il fait des recherches sur internet. Tu fais, qu'est-ce qui se passe? Alors, Digi Paragon qui nous dit, perso, je trouve que A Quiet Place, c'est le film US le plus original, captivant et malin des 5 dernières années. Je respecte. Ouais, t'as des propositions que chez A24, t'as quand même eu des choses très intéressantes ces 5 dernières années. Après, il est cool, hein, je dis pas le contraire, mais sur tout ce qu'il y a eu, je dirais pas que c'est le plus original. Je sais pas si pour moi c'est le plus original, parce que clairement, il faudrait comparer vraiment avec le reste, et j'avoue que là, comme ça... Eh ben, j'ai un tableau, justement. Mais pour le coup... En film de genre un peu horrifique, un peu sous tension, oui. Mais c'est deux ou trois plus originaux, ouais. C'est clairement un film, moi, qui... que je porte haut depuis 5 dernières années, quoi, clairement. Vraiment, pour le coup. Mais... Pour autant, est-ce que c'est le plus original ? J'avoue que je pourrais pas trop dire. Mais en tout cas, c'est un peu comme il y a un truc qui joue beaucoup, je trouve, là-dessus. C'est un peu comme et je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi sur là-dessus, mais c'est un peu comme Night and Day avec Tom Cruise. C'est-à-dire que évidemment qu'il n'est pas aussi bien peut-être que d'autres, mais j'avoue que le fait de ne pas en avoir entendu parler et que le truc sorte un peu de nulle part. Ça joue aussi sur le fait que je kiffe, quoi. C'est-à-dire que je l'ai pas vu arriver et je me le suis pris vraiment en pleine gueule, quoi. Bah puis comme tu disais, le fait qu'en plus le film soit court, ça évite que ça s'embourbe, ça évite que machin. Ça. Voilà, c'est 1h24, ça dit ce que ça a à dire, ça ne dépasse pas sa bienvenue, comme on dit. Donc c'est cool, ça. Franchement, ça manque, hein, des films qui essayent pas de faire 2 heures ou machin, tant mieux. Ça fait ça, bien, et puis des films qui assument dans leur manière d'être faits ce qu'ils sont. C'est-à-dire des films pas à gros budget, pas... Enfin, tout est complètement... C'est pas de te montrer des villes avec des foules qui s'enfuient ou je sais pas quoi. C'est ça. Hop, ça reste à petit niveau, cette famille, dans son petit coin. C'est aussi un peu ça, moi, qui marche moins sur moi, du coup, sur le deuxième, quoi. Le deuxième, il y a vraiment ce côté-là. C'est-à-dire que les premières... Désolé, je vous spoil un peu le truc, mais... Ah ouais, pas trop, hein. Je veux dire, la première scène du film, c'est l'attaque, en fait. Mais voilà, c'est pour ça que moi, ça m'avait fait penser à la différence qu'il y avait eu de ton et de rythme entre 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. Où t'as un ton un petit peu différent entre les deux films. C'est un peu le problème quand les films d'un seul coup ont du budget, quoi. C'est que du coup, t'as tendance à en vouloir en montrer plus, et du coup, Le truc, c'est que la limitation du budget te force à avoir des idées, et dès que t'as plus ce problème-là, souvent, tu vas plus te reposer sur des paniers visuels que sur vraiment le script. Si Les Dents de la Mer avaient eu deux fois plus de budget, je suis sûr qu'ils seraient pas aussi bien. Non, ça s'appelle The Meg. Et en plus, si t'as pas le bon doublage, ça fait toute la diff. Ah ouais, parce que ça a été aussi le sujet, un grand débat. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu maintenant mon Blu-ray. J'ai vu The Meg 2 sur Canal+.
Ouais, moi aussi. Je l'ai regardé hier. Voilà. The Meg ou The Meg 2 ? The Meg 2. The Meg 2. Ouais. À la fin du film, je bavais. Je crois que j'ai perdu mes 3 ans d'espérance de vie, 27 neurones. Enfin, il y a un truc qui se passe. Enfin, je trouve ça dommage parce que le début était intéressant, tu vois. Mais enfin, après, dès que t'as les monstres, dès que t'as les requins, c'est terminé, quoi. Ah putain, un Kraken à la fin, l'autre il y va en mode Fast and Furious. Ah bah, alors, dis-nous le spoil de la fin. Mais c'est juste Fast and Furious sur la flotte. Il spoil pas le silence des agneaux, ça va. C'est de la merde. Non, non, mais c'est de la merde. Et puis tu sens qu'ils vont partir sur un troisième. Tu le vois arriver comme ça, quoi. Ah non, mais je spoilerai jamais un film du style Fight Club, Le Silence des Agneaux. Il y a Culture qui nous dit il y a un mec qui se fait torturer avec de la fondue pour vous donner envie de voir le film. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est tellement débile et con que tu te marres. Et le voir entre potes, c'est fantastique. D'accord. Un que j'avais adoré comme ça, c'était Tucker and Dale versus Evil. Ah, mais ça me parle, ça. C'est génial. En français, je crois que c'est Tucker and Dale contre le mal ou un truc dans le genre. Ouais, ça me parle. Fight le mal. C'est deux. C'est, t'as comment il s'appelle, Zut, celui que j'adore, qui est dans la série, là, où il fait un extraterrestre qui vit dans une petite ville de Resident Alien. Oui, je vois. Ouais. Qui est aussi méchant dans Doom Patrol. Et en fait, c'est lui et son pote qui sont vraiment les rednecks, mais les rednecks de base, quoi. Et il a acheté une espèce de petite cabane dans les bois, il est trop heureux, c'est le plus beau jour de sa vie, il a une résidence secondaire. Et ils y vont, et au même moment, t'as une bande de jeunes qui va passer des vacances dans la forêt. Et c'est vraiment le tu sais, c'est tous ces films où c'est la bande de jeunes qui va se faire tuer dans la forêt, machin. Sauf que là, c'est juste que les jeunes, ils croient que les deux rednecks sont flippants, alors que c'est les mecs les plus adorables du monde. Et du coup, c'est eux qui vont... Toi, t'es du point de vue des deux rednecks et les autres vont se monter la tête. Et oui, ils vont tous mourir, mais parce qu'ils sont trop cons. Ils se tuent eux-mêmes, en fait, parce qu'ils croient que les autres veulent les tuer. Enfin, ça part dans un délire. C'est génialissime. Il est extraordinaire, le film. J'en ai un bon souvenir, ouais, de ça. Pour le coup. Ah, il est trop drôle. Ouais, j'en avais un bon souvenir aussi. Quand t'as l'autre qui cavale dessus, qui se pète la gueule et qui tombe dans le truc à broyer le bois, là... Il s'est suicidé, je te dis que c'est un suicide collectif. Ça, je me souviens de ça. Oh, ouais, putain, c'était excellent. Il y a Paragon qui nous dit merde, ça c'est pas affiché. Il y a juste la fin Super Weekend. Tu parles du 2 du coup, fait un peu peur, mais je pardonne. Ou peut-être le 1 que le père se fait fuir avec le truc un peu dramatique. Tout à peut-être fait. La fin Sarah Connor, ouais, peut-être ouais, aussi. Ouais, bon, ouais, mais voilà. Je pardonne également. Et oui, t'avais raison, XP, hein, c'était effectivement la bonne VF. Jamais vu Fight Club, par contre, ça c'est une erreur. Ah oui, ça, ouais. Très clairement. Après, on le fera dans les rattrapages à mon avis. XP qui dit qu'il aime bien les Et on n'a toujours pas spoilé la fin de Fight Club, même si le film a 20 ans. Ouais. Chez nous, on ne spoil pas les films. C'est on est d'accord, XP. On est d'accord. Oui, non, mais franchement, c'est clair. C'est trop. Ah oui. Au bout de 20 minutes, tu dis, mais comment ils vont tenir tout un film avec ça? Et si, ils y arrivent en fait. Alors ça, par contre, je me souviens plus, la scène avec les abeilles. Bon, on va faire ce film, c'est obligé. Ah non, il est vraiment trop bien. Ah, il parlait de la fin du 1, par exemple. XP, je déteste Fight Club, sérieux. Après, je respecte, attention. Oui, et puis après, quand on l'a vu une fois et qu'on comprend qu'il voit des gens qui sont morts, effectivement, ça va être plus compliqué à regarder. Quoi. Hey, voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment très cool de revoir ce film avec vous, les copains. C'était cool de le découvrir. Ouais. De vous l'avoir fait découvrir. Je me permettrai de vous glisser un petit message quand on fera le 2. Et puis, voilà. Je ne sais pas, Jarod, tu avais regardé tout à l'heure. Tu sais quand est-ce qu'il sort, le préquel, là ? C'est 26 juin, non ? Moi, c'est ça, je crois, c'est au mois de juin. Ouais, j'ai vu la bande-annonce cet après-midi au Cinoche, effectivement, mais je n'ai pas regardé la date. Mais bon, j'ai peur que ce soit un peu une redite, quoi. J'ai peur qu'on en apprenne trop. Enfin, c'est un peu. À un moment donné, tu vas désacraliser forcément, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Je sais pas si c'est nécessaire de raconter d'où ils viennent, pourquoi ils viennent. Enfin, tu vois, c'est... visiblement pour nous envahir. Hein, on va pas en disant que. Non, c'est en fait, ils trouvent qu'on est trop bouillant. Comment ? C'est juste les voisins vénères, en fait. Ouais, voilà, les mecs, ils sont 4 planètes plus loin, ils trouvent qu'on fait trop de bruit. Tu sais, ils viennent juste pour qu'on éteigne le chalet ici. Ah ouais, vous êtes relou, on peut pas dormir. On va buter tout le monde. Ah, il y a Wally qui dit, moi, tu peux me proposer pour voir le 2. Si tu veux, je te dirai, je suis dispo. À mon avis, il va dire non. Ah oui.
Mais en tout cas, non, c'était très cool. Mesdames, messieurs, j'allais mettre la viande dans le torchon, comme on dit. On n'a pas tous les mêmes expressions, hein, franchement. Je suis pas sûr que ça veut dire la même chose pour tout le monde. Ouais, je suis pas sûr. Clair. Ouais. Mais tout de suite. Sofiane, toi, du coup, t'as un live de prévu ? Pas maintenant. Demain. Oui, t'as enchaîné avec Fast and Furious. Je doute bien que tu n'enchaînes pas. Pas maintenant, dans 3 heures. Non, demain, Fast and Furious 7, du coup. Ouais. Et puis, on est quoi ? On est jeudi, vendredi. Samedi, on se fait le live paranormal. C'est Rocky qui m'avait mis une petite vidéo de côté sur le Bigfoot, qui semble-t-il est bien fun, mais du coup, je ne l'ai pas encore regardé. Puis, tous les dimanches, bien évidemment, le dimanche des viandes, toutes les news, séries et ciné, avec l'ami Jarod, bien sûr. Tiens, il y a Wally qui a une question pour toi, Sofiane. Et il y aura des sauces à sortir. Oui. Je m'en occupe, Wally. Je vais voir. Je vais essayer de la sortir demain. C'est une sorte comme de principe, hein, Wally. Hein. Tant qu'il n'a pas la réponse, il pose la question. Ah oui, il lâchera pas. Hein. Tous les jours. Tous les jours. Non, mais oui. En plus, c'est lui qui l'a monté, celle-là, pour le coup. Alors, attends. Il y a XP qui nous dit Steven fait massacre un parce que dans Tucker and Dale, t'as une scène où à un moment t'as une t'as comment une ruche d'abeilles qui tombe et c'est Tudyk justement qui est en mode qui cavale du coup avec une tronçonneuse mais parce qu'il y a des guêpes sauf que les autres ils le voient juste cavaler avec une tronçonneuse et ils sont persuadés que c'est pour les tuer. D'accord. Du coup c'est encore l'équipe Coco qui se rajoute. Mais c'est marrant parce que je me souviens presque pas du film. À part le truc où effectivement tu broies le bois que je me souviens. Et juste mais il baisse au dernier moment où l'autre arrive et du coup il fait la bascule dessus et il se retrouve dans le hachoir. Mais pour le coup, à part ça, j'ai plus de souvenirs du film, je me souviens juste que j'avais passé un bon moment. Et attends. Oui, mais alors après, tu vois, je te taquinais hein, tout à l'heure, XP, quand je disais ça. Évidemment que, enfin, on a tous des goûts différents et il n'y a aucun souci, au contraire. Non, pas les Fight Club, non, là, c'est trop. Oui, les Home Run. Mais je pense que je vais préparer un carton que je soulèverai à chaque fois pour les Home Run. Et je sais, désolé. Je me suis tapé 16 heures de live XD donc. Parce qu'il a raté, puisqu'il a rematé plusieurs fois, parce qu'il avait loupé, hein. Il avait loupé une sauce. Ah non, c'est horrible. Du coup, il a dû le remater deux fois, il fait 8 heures. C'est horrible. Mon Tom, on a un SNGN, nous ? Oui. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je me bouge un peu les miches pour le préparer, celui-là. Et effectivement, oui. Ça arrive samedi soir avec oui. Comique du Prof, qui nous fait l'amitié, Flavien, de venir nous voir. Léna, toi, t'as un truc, t'as un rattrapage en prépa ? Oui, le 28. Non, mais, déjà, un montage, un rattrapage qui arrive. Ah oui, oui. Je te rappelle qu'on a toujours pas fait, et on a toujours pas fait notre part de boulot sur le prochain rattrapage. Si, on a décidé sans toi, en fait, finalement. Ah ok, bon. Je sais plus quand est-ce qu'on en a parlé. Décidé, oui. Mais pourquoi je viens dans ces émissions, moi, au final ? On en a parlé... oui. Non, mais on n'a pas décidé. Mais on en a parlé quand on était chez Angé. Ah oui, c'est vrai. On était, ouais, on s'accordait un peu plus sur le fait de dire que on doit choisir un James Bond en fait. Il le savait. Un culte qui va être en face de Mission Impossible. Ah. Donc on était plus parti sur GoldenEye. Vu qu'elle a vu tous les Craig. Il faut quelque chose sans il te faut l'antithèse sans gadget. Pour moi, il faut repartir sur les premiers. Si tu mets deux films à gadget l'un en face de l'autre, ça n'a pas de sens. Ouais, bah si justement. Mais... Ah non. Non, parce que le principe de point de départ des James Bond, oui, c'est qu'il n'y a pas de gadget. Ah, mais moi j'ai peur que Docteur No, vraiment le Docteur No, on avait parlé de Docteur No, mais si tu mets ça, les gens vont mettre Mission Impossible direct. Goldfinger. Oui, d'accord, mais si tu mets ça, les gens vont mettre Mission Impossible direct. Ouais. Bah, Anto veut qu'il y ait Mission Impossible direct, de toute manière. Donc, non, mais ce serait bien que le deuxième film soit bien quand même, parce que je vais quand même devoir me le fader derrière. Bah, donc, Goldfinger est culte. Oui, effectivement, on en a déjà parlé avec. Mais on peut pas passer par StreamYard. De ça, effectivement. Qu'est-ce que tu dis, Léna ? Mais on peut pas faire cette histoire de Prime en passant par StreamYard. Ah si ? Si ? Bah, tu diffuses ça, tu partages ton écran ? Bah oui. Mais, je sais pas, la dernière fois qu'on en avait parlé, on avait dit ça. Bah, qui a dit ça ? Pourquoi ? Qui t'a dit ça ? C'est toi, je crois, Gérard, qui a dit ça. Non, non. Non.
Mais tu partages quoi? C'est moi qui vous a dit en plus pourquoi pas, pourquoi ne pas faire des films sur Prime. Moi j'avais dit je crois qu'on peut pas extrémer et t'as dit ah ouais, peut-être. C'est possible hein, que je connais pas bien comment ça marche. En tout cas et Monsieur Jarod. En tout cas ce serait bien de vous décider rapidement. Il hein. y avait pas une vidéo en prépa? Il y a une vidéo en prépa sur Denis Villeneuve qui arrive. Je prends pas trop de risques hein, parce qu'il me semble qu'elle est depuis un moment en prépa. Oui. Ouais, j'ai du mal à. Il y a quelques montages qui me font un peu chier. Oula, alors attends, c'est pas moi qui vais te dire quelque chose. Hein. Je veux dire, je serais bien mal avisé de te dire oui, qu'est-ce que tu fous Tu me codes vachement le temps. Franchement, c'est un peu abusé. C'est un peu un manque de respect de tout le monde. Non, mais sinon, il y a les sorties du mois sur les plateformes de SDOD. Les sorties. Aussi. Messieurs, dames, nous rendons l'antenne. Merci d'avoir été là. Merci au chat d'avoir été là. Gros bisous à tous. On vous tient au jus pour le 2. Peut-être de la même manière, 2 heures avant. On n'est pas à l'abri. Mais en tout cas, c'était vraiment très cool. Ciao, ciao. Bye tout le monde. Ciao.